et Lesbourg pour les Palois. Voilà, David Ocagne est très attendu lui aussi après ce match contre les Écossais. Il a été critiqué, on en reparlera parce que le pauvre n'était pas dans les meilleures conditions. On va démarrer cette retransmission comme à notre habitude par le petit journal du match de Philippe Guillard qui va revenir d'ailleurs assez largement sur le match aller. Pour jouer contre Pau, le Stade français compte entre autres sur ses deux Toulonnais, Christophe Dominici et Franck Combat. Messieurs, ce match, vous le voyez comment ? Bien. Mais. Sois gentil, aiguille le pied, s'il te plaît. Bon, alors, vous l'avez compris, hein, les joueurs du Stade français sont déjà psychologiquement prêts pour ce match qui aura tout d'une revanche. C'est que au match aller, certes, Pau a réalisé la surprise en battant les champions de France, mais il y a eu, voilà, quelques mauvais gestes. Ce match a manqué un peu de maîtrise de soi. Alors du coup, cette semaine à Pau, on a établi le charte sur la discipline. Il y a des gestes qu'on n'a plus le droit de faire. Démonstration. Voilà, la provocation, on n'a plus le droit de répondre à la provocation. Ah. Donc, je te donne un exemple, tu vois, attends. D'accord. T'as le mec du premier. Voilà. Tu connais Thierry. On est en touche tous les deux. Voilà, donc maintenant, tu l'agaces. Agace-le. Donc là. Ah, là, tu vois. On peut plus répondre. Non, on peut plus répondre. On n'a pas le droit. Alors même, celle-là, je crois que j'aurais pas dû la donner. D'accord. C'est la dernière, madame. D'accord. C'est la dernière. Bon, de toute façon, côté Pau, il n'y a pas de risque. L'entraîneur est parfaitement calme. Côté Stade français, c'est pareil, pour éviter ce genre de réponse à la provocation que l'on va voir maintenant, voilà, comme ça, boum, tous les joueurs ont passé un examen de maîtrise de soi. On a passé un examen toute la semaine, voilà, avec une partie orale. De maîtrise de soi. De maîtrise de soi, une partie orale et une partie écrite. D'accord. Donc, la partie écrite, bon, dans l'ensemble, c'est bien passé. Ouais. On a eu juste un petit problème avec l'oral. Ah, il y avait une épreuve orale qui... Bah, qui est assez simple, on te donne un coup, tu ne dois pas répondre. Ah d'accord, comme ça, et tu ne peux pas... Tu peux pas répondre. Voilà. This kid is not a star. En gros, pour toi, ça c'est. Toi, t'as eu combien, l'oral ? Ça s'est très mal passé. Ah. Essaye pas. Oui. Mais là, t'as répondu, là. Ben ouais, mais j'ai loupé. Ah. J'ai loupé l'oral. Et tiens, nos deux Toulonnais ont-ils réussi leur examen de maîtrise de soi ? Car on sait très bien, quand on vient de Toulon, on va pas jusqu'en maîtrise. Nous, on s'est arrêté. C'est aussi à paix de soi, quoi. Allez, c'est qu'à Toulon. Par contre, Franck a eu le BEPC. De soi. Et c'est gentil parce que vous avez mis pour le petit journal, enfin le vrai costume folklorique toulonnais, quoi. Non, du Var, on va dire. Pas folklorique, hein. Costume toulonnais. Je veux dire, on met de temps en temps, quoi. Voilà. Dès qu'il y a un soleil sur Paris, on remet le vêtement du toulonnais. Il y a un costume, hein, donc il y a forcément une danse folklorique. Oui. Donc la danse du cacou, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est... Oui, c'est la danse, mais bon, on se déplace pas, quoi. C'est... T'es prêt, Christophe, on va le faire. Hein ? T'es prêt ? Oh. One, two, three. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Comme quoi, France-Écosse, Philippe n'a pas enlevé le sens de l'humour au bien de français, tant mieux, non ? Oui, c'était belle, ces chaînes autour du cou. Mais c'est vrai que le rugby, c'est ça, et ça doit toujours être ça aussi. Il y a le combat sur le terrain, et puis la bonne ambiance autour du terrain. En tout cas, les Toulonnais font beaucoup moins rigoler depuis qu'ils ont battu Brive et qu'ils ont gagné à Grenoble, pour parler de rugby. Un petit tour dans les échauffements sur la pelouse du stade Jean Bouin avec Serge Simon, qui a le sourire, mais qui n'est pas concentré comme les autres, parce qu'il est remplaçant. Cet après-midi, c'est Jember qui a été titularisé pilier droit et Marconnet pilier gauche côté Stade français. Dans le vestiaire palois, Laurent Arbeau fait des étirements. Yannick Martin, l'autre ailier. Thierry Mantière au massage. Avec le numéro 13, c'est l'Australien Jason Matz. Une des pièces maîtresses de cette équipe de Pau, alors que Jean-Michel Aguirre est en discussion avec Robert Papard en board. Oui, l'ex-palois, donc il a joué très très longtemps à Pau, et puis il était monté ensuite pour jouer au Racing Club de France, donc ce sont des vieilles connaissances qui se retrouvent. Philippe, le reportage que nous allons proposer aujourd'hui traite d'un des gros soucis actuels du jeu, c'est la mêlée, qu'on baptise poétiquement la maison du ballon.
Beaucoup de mêlées effondrées, beaucoup de coups de sifflet qui hachent le jeu dernièrement. Qu'est-ce qui se passe sous la mêlée? C'est un peu le thème du dossier de Pierre Buat, alors que Jean Tiberi, le maire de Paris, en profite pour faire un bisou à Ophélie Winter. Il a raison de ne pas s'en priver. Qui domine? Qui triche? Si on n'est pas un vrai spécialiste, si on n'a pas joué en première ligne, Philippe, c'est impossible de le savoir. Alors Pierre Buat a rencontré deux acteurs, un arbitre, Didier Méné, et puis un pilier, grand spécialiste du poste, c'est Serge Simon, pour qu'on essaye de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans ces mêlées si souvent chahutées. Depuis que le législateur a assagi la touche, la mêlée est devenue le seul champ d'expression de la domination d'un paquet d'avant sur l'autre dans les phases de jeu statiques. La dimension psychologique du défi et son influence sur le match sont si fortes que tous les moyens, même illicites, sont utilisés pour tordre l'adversaire. Du coup, le désordre s'est installé en mêlée et c'est le jeu et le spectacle qui en souffrent. Je crois qu'il y a une explication toute simple, c'est qu'avant, les problèmes de première ligne se réglaient en fait entre première ligne ou entre PAC. Et les tricheurs étaient de suite sanctionnés finalement par le milieu, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par l'éradication des mauvais gestes, etc., il n'y a plus cette autorégulation, ce qui est très bien, donc, hein, puisqu'il y a moins de violence. Mais c'est l'arbitre qui est en charge de régler tous les problèmes techniques et de tricherie. Et ce qui est complètement impossible à envisager. C'est l'endroit peut-être le plus facile pour tricher, puisque c'est l'endroit où il est le plus difficile de déceler la tricherie. Et donc je crois que dans notre esprit de tricheur, et dans l'esprit d'ailleurs dans le monde entier, puisque dans le Super 12 on a beaucoup de problèmes en mêlée cette année, hein, je crois que les gens qui cherchent à contourner les règles ont compris que c'est peut-être l'endroit où c'est le plus facile de le faire actuellement. La finalité d'une tricherie, c'est assez simple, hein, c'est de pourrir les balles sur introduction adverse, c'est-à-dire de gêner la sortie de balle pour le lancement d'une attaque. C'est très difficile de lancer une attaque sur une balle qui n'est pas propre. Et puis c'est d'assurer, quand on est dominé, la sortie de sa propre introduction. Oui, mais quand on est dominé, on est souvent l'objet d'une attention particulière de la part des arbitres. Passons maintenant en revue les trois principales tricheries en mêlée. La plus courante, la poussée en travers du pilier droit, ici cerclé de jaune. Objectif, effacer le pilier gauche et mettre toute la pression sur le talonneur adverse, ce qui bien évidemment déséquilibre la mêlée. Autre geste prohibé, la main du pilier gauche au sol, un appui supplémentaire qui lui permet de mieux conserver sa position. Une position chahutée par le pilier droit qui, à l'inverse du règlement, se lie au bras ou à la manche de son adversaire pour, là encore, tenter de le déstabiliser. Pour l'arbitre, le problème est inextricable. Souvent, ces fautes sont commises de l'autre côté de la mêlée. Impossible alors de juger et de sanctionner objectivement. Lors du match aller, pour Stade français, Didier Menet avait choisi une méthode d'arbitrage plus pragmatique. Sur ce match-là, j'ai l'impression d'avoir sanctionné l'équipe qui a le plus subi physiquement en mêlée. Et pour moi, après avoir revu certaines mêlées, certaines positions plus ou moins orthodoxes de piliers, que j'avais vu d'ailleurs en direct pendant le match, pour moi, c'est un fait mineur par rapport à la domination physique d'une équipe sur l'autre. Si une équipe sur son introduction est stable, c'est qu'elle domine, elle n'a pas intérêt à tricher. Voilà, ça c'est très clair. Donc le match allait, très bon arbitrage, c'était sur toutes nos introductions où les mêlées se relevaient, on était dominé, on relevait la mêlée, il n'y a rien à dire, ça c'est très bien arbitré. Reste une certitude pour tous, lorsqu'elle est bien maîtrisée, la mêlée est un atout majeur pour de bons lancements de jeu, et ce n'est pas Thomas Lombard qui pourra nous contredire. Thomas Lombard, auteur de très très bel essai dans les dernières instants du match aller, le couloir. Voilà, les Palois sortent les premiers. Solaire de Paris est une blonde, qui est le nouveau titre fétiche du Stade français PSG pour remplacer le fameux I Will Survive. Et les Parisiens derrière leur capitaine Diego Dominguez. On va voir tout de suite les compositions des deux équipes.
pour le Stade français CRSG. Première ligne, Sylvain Marconnet, Vincent Moscato, Philippe Jembert. Deuxième ligne, Hervé Chaffardon, David Oradou. Troisième ligne, il y a du retour là, Christophe Juillet, Richard Coutjones et Christophe Mouni. Charnière, Christophe Lossuc, Diego Dominguez. Au centre, Cliff Milton, Franck Combat. Aux ailes, Christophe Dominici, Thomas Lombard. À l'arrière, Arthur Gomez. Le Stade français CRSG entraîné par Pierre Trémouille et Bernard Laporte. Pour la section paloise. David Laperne, Joël Rey, Pierre Trieff en première ligne. Alain Lagouarde, Thierry Cléda et Thierry Mantière à gauche, remplaçant, mettez sur la photo aussi. La troisième ligne avec Franck Rollès, Nicolas Baquet, Sébastien Vignolo et accroupi Abderraguev, remplaçant. La charnière, Frédéric Torossian, David Ocagne. Au centre, Sébastien Fauquet, Jason Matz. Aux ailes, Yannick Martin, Laurent Arbeau. À l'arrière, Damien Raille. Pour une équipe paloise entraînée par Jean-Michel Aguirre et Maurice Lesgourg. Éric. Oui Pierre. Oui, un petit mot, vous avez peut-être aperçu sur le terrain Pascal Morin, le pilier remplaçant. Il est tout simplement remplaçant de Pierre Trieff Capdeville qui s'est blessé tout à l'heure à l'échauffement et qui ne peut donc pas tenir sa place dans ce match face au Stade Français. Merci Pierre, alors qu'on vient de voir un coup d'envoi remarquable de technique et de précision signé Ophélie Winter. Alors qu'on ajuste les protections, le casque de Frédéric Torossian. Alors changement en première ligne côté palois, Philippe, ça peut poser un petit souci sur les premières mêlées d'après vous? Mais ça peut, disons, déséquilibrer un petit peu l'équipe paloise, puisqu'au dernier moment, c'est jamais très bon d'avoir un remplacement de joueurs. Mais bon, l'équipe, on l'a vu sur la composition des équipes, est très soudée, donc... Normalement, je pense qu'avec tout le travail qui est fait à l'entraînement, Henri Nieto me disait qu'il faisait énormément de jougs, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Monsieur Dumay donne le coup d'envoi de ce match. C'est parti, donné par les Palois. Et David Ocagne, capté, dévié plutôt par David Oradou. Regroupement à l'actif du Stade français CAG, battu à Pau lors du match aller de 3 points, 26-23. C'est Christophe Lossuc qui a tapé un coup de pied dans la boîte. L'arrière palois aujourd'hui, c'est Damien Traille qui rattrape ce ballon. Traille qui remplace Brusque, blessé Ocagne. Ocagne sauté pour Mads. Mads tape à suivre sur l'aile de Yannick Martin. Ce ballon sort en touche dans les 22 parisiens. Mais c'est un très bon match des Palois. Donc c'est un match de top 16. Donc qui permet à toutes les équipes de croire en la qualification et donc d'attaquer les uns et les autres le match par le bon bout. On n'attend pas, il n'y a pas de room d'observation. Il faut tenter immédiatement, prendre des initiatives. Lancé Vincent Moscato, capté en début d'alignement par Chaffardon. Il y a eu beaucoup de tension, j'étais dans le camp parisien cette semaine, au point que Bernard Laporte a voulu éviter d'en rajouter en ne mettant pas ses hommes au vert pour préparer ce match, mais en les laissant plutôt tranquillement chez eux, parce que autour des dirigeants, on s'inquiète. Le Stade français n'a pas gagné à l'extérieur, n'a plus qu'une possibilité, c'est d'aller gagner à Narbonne. Et on connaît l'avantage énorme que représentera le fait de jouer le quart de finale à domicile. Donc les champions de France en titre ne sont pas sereins pour l'instant. Lancé, Joël Rey pour la section paloise. Capté par Thierry Cléda, ballon perdu, récupération parisienne avec Richard Pouts-Jones. Lossuc, on insistera, c'est Juillet qui charge. Balle au sol, bien libéré. Lossuc sur le fermé. Accélération de Thomas Lombard. Mêlée ouverte, ballon pour le demi de mêlée parisien. Nouvelle charge de Christophe Juillet. Belle séquence de jeu des champions de France. Lossuc, Mitton, là c'est un peu arrêté. Mitton est obligé de jouer au pied. Oh, il y a deux Palois qui se sont gênés. Traille et Torossian, du coup le ballon a été récupéré par les Parisiens. Derrière les pieds là ici, on reste là. On sent que la troisième ligne parisienne est assez active et le pack parisien en général en ce début de match. Pénalité que Lossuc joue vite. Christophe Lossuc, accroché par Torossian, vient de rentrer dans les 22 de la section. Et mêlée, introduction Paris. Oui, monsieur l'arbitre a annoncé une faute au sol contre les Palois sur le plaqueur vert, donc qui a essayé d'empêcher le ballon de sortir. Mais on a surtout vu une équipe parisienne qui avait pris beaucoup d'initiatives dans un jeu pas trop loin des phases de conquête et de jeu dans l'axe. Et donc, par cette grosse conservation du ballon, on a vu les Parisiens avancer. Alors que là, ils sont sanctionnés. Ils ont subi sur la première mêlée. Jouez vite.
avec Sébastien Fauquet sur l'aile de Yannick Martin qui vient de déborder Thomas Lombard. Martin qui sprint, qui va être repris par Dominguez et qui est propulsé en touche sur la ligne des 22. Quelle belle accélération paloise. Là aussi, de la part des Palois, une volonté d'animer le jeu rapidement. On va voir après cette passe du centre. Martin qui fait un superbe cadrage débordement sur Lombard, c'est peu dire. Et donc, il se fait rattraper in extremis par l'Argentin ou l'ex-Argentin italien, Diego Dominguez, qui était revenu en soutien défensif. Les Palois vont faire peser la menace de leur trois quarts très rapide sur le Stade français. Chaffardon en début d'alignement. Beau groupé pénétrant des Parisiens. Losuc, Dominguez, Chandel. Pour mettre à contribution le jeune Damien Traille qui s'est bien retourné pour bien capter ce ballon, mais aussitôt pris par Mitton. Est-ce que les Palois ont pu le conserver? Pénalité contre les Parisiens. Ouais. Une pénalité contre le Stade français pour un joueur qui a essayé de jouer le ballon au sol encore une fois. Donc une faute au sol aussi là, dans un partout déjà. Richard Pau-Jones, l'un des revenants de cette équipe du Stade français après sa fracture de la main en Coupe de France à Perpignan. Le Stade français retrouve petit à petit sa troisième ligne, décimée par les blessures depuis plusieurs mois. David Ocagne, pendant ce temps, ramène le jeu dans le camp parisien et même dans les 22 du Stade français. Sous l'œil de Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, j'appelle Jean Glavany, ministre de l'Agriculture. Fervent supporter de rugby. En espérant pour eux que le spectacle sera au rendez-vous aussi de ce match. Alors que dans la même poule, demain, Colomiers recevra Narbonne. Toutes les poules sont très serrées pour ce top 16. Et celle-là en particulier. Voilà un ballon, un deuxième ballon même, gaspillé par les Palois sur leur propre lancée. Il va falloir qu'il se règle, puisque là, il gaspille de précieuses munitions. Diego Dominguez éloigne un petit peu le danger. Alors qu'on signalera, Philippe, que les Parisiens... Ah, Pierre Oui. Pierre Buet, c'est peut-être à... Pierre Buet... Ah oui, je crois qu'il a enlevé le casque d'émotion. Je ne suis pas sûr d'avoir un micro qui fonctionne. Ah, mais si, ça fonctionne. Ah, bah, très bien, vous avez vu, je suis en bonne compagnie. Ophélie, on ne vous connaissait pas cette passion pour le rugby? Mais moi non plus, en fait, c'est un sport que je connais vraiment très peu. Je connais d'ailleurs pas les règles qu'on va m'expliquer. C'est Max Guazzini qui m'a proposé de venir faire le coup d'envoi. Et je pensais que c'était une bonne manière de découvrir le sport, quoi, ce sport-là. Je crois, oui. Bah, bon match à vous. Merci. Mais voyons si Parisiens et Palois vont lui donner le goût du rugby. Pour les règles, on fait confiance à Max Guazzini pour les lui expliquer. Va le récupérer par combat, Losuc à suivre. Oui, il a vu qu'il n'y avait personne là-bas. Hein. Il n'y aura pas de Parisiens non plus. Et Franck Rollès accompagne tranquillement ce ballon en touche. 0-0 ici à Jean-Bouin, entre le Stade français, SAEG et Pau. Bernard Laporte très tendu avant ce match. Alors qu'on va revoir une belle combinaison paloise. Oui, voilà, avec une double croisée. Et c'est le demi-mêlé Torossian qui voulait donner le ballon à Fauquet ensuite. Donc c'est essayer de perturber les premiers défenseurs pour pouvoir jouer au large par la suite. Leda a pris ce ballon dans le duel qui va l'opposer aujourd'hui à son remplaçant en équipe de France, Oradou. Alors que Damien Traille a raté son dégagement. Raté aussi le contrôle de Dominici qui profite à Arbo. Arbo retrouve Fauquet à hauteur qui sert Traille. Les Palois sont de retour dans le camp parisien. Ils ont perdu le ballon. Il peut y avoir un contre avec Gomez qui alerte combat. Accélération de Franck Comba qui sert Thomas Lombard qui navigue. On n'assure pas bien les passes. Losuc quand même récupère le ballon. Toujours parisien. Charge d'un des revenants aussi, Philippe Gembert. Lui aussi longtemps blessé. Marconnet maintenant qui perce plein char. Trouve le soutien d'Oradou. Beau mouvement des Parisiens. Balle au sol, Losuc. Dominguez. Dominguez sert bien Lombard. Lombard va pouvoir servir extérieur Dominici. Il garde le ballon et se fait plaquer avant de l'avoir pu le donner. Mais il le libère bien. Moscato dans l'axe. Vincent Moscato avec Rollès sur le dos. Les Parisiens qui se rapprochent de l'embut de Palois. Ils sont dans les 22. Ils vont essayer d'écarter ce ballon. Losuc. Accroché par le maillot, pénalité contre les Palois. Oui, parce qu'il y a une position de hors-jeu sur le groupement et donc l'arbitre décide de sanctionner l'équipe paloise. Alors qu'on voit les deux entraîneurs, Maurice Lesgourg et Jean-Michel Aguirre. Les deux bandes d'entraîneurs sont assez tendues puisque c'est vrai que
ce match va avoir une importance terrible sur la suite du championnat. Qualification possible pour les uns et les autres. Les Parisiens qui se sont privés d'un des joueurs les plus en forme sans doute en ce moment, c'est le Sud-Africain Peter De Villiers, parce qu'il a pris un carton jaune lors du match aller et qu'en cas de deuxième carton jaune, il y aurait un match de suspension. Oradou a bien capté ce ballon. Le môle parisien va essayer de passer la ligne. Les Palois s'organisent pour les contrer. Ils n'y parviennent pas. Ça a des axes. Est-ce que ça va finir dans l'embut? Non, dit Monsieur Dumé. Mais il est à 5. Il y a eu un gros combat juste devant la ligne pour éviter qu'il y ait un essai parisien. Et c'est vrai que les Parisiens peuvent se permettre peut-être un petit peu plus de laisser ce joueur, même pas remplaçant aujourd'hui, parce qu'ils ont gros effectifs. Alors que pour les Palois, avec Thierry Cléda, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, l'effectif étant légèrement moindre, mais il faut faire jouer les joueurs qui sont les plus en forme. Car Cléda aussi a un carton jaune, et en cas de deuxième carton jaune, il y aurait un match de suspension qui pourrait, qui sera certainement dans plusieurs cas, dans plusieurs poules, déterminant pour la qualification. C'est vrai que d'autres clubs sont un petit peu aussi sous la même enseigne. Mmh. Introduction Christophe Lossuc. Peut-être pour un départ de Juillet. Juillet bloqué au moment où il se saisissait du ballon. Lossuc quand même. Dominguez lance. Milton va aller marquer le premier essai du match, inscrit par le néo-zélandais du Stade français, Cliff Milton. Quelle combinaison qui a permis à Cliff Milton d'avoir un espace libre énorme. Et Fully Winter est heureuse de voir donc un essai déjà après juste quelques minutes de jeu. On va revoir l'action au ralenti avec Diego Dominguez qui écarte pour Milton. On voit ici Christophe Dominici qui est passé juste devant Milton mais qui n'a pas gêné la défense puisqu'il n'y avait pas de défenseur juste devant Cliff Milton. C'est Franck Comba mais aussi Arthur Gomez qui ont gêné les défenseurs par loin en venant à vide derrière la passe et le ballon passé par Diego Dominguez. Il a bloqué des défenseurs palois. Et bien voilà, le premier essai du match inscrit par les Parisiens. Cliff Milton et Diego Dominguez va essayer de le transformer. Un nouvel élément dans ce match, c'est la pluie qui fait son apparition au-dessus du stade Jean Bouin. Voilà, décidément, ce top 16 est particulièrement arrosé. Alors qu'il faisait un beau soleil sur la capitale ce matin. Diego Dominguez, le capitaine parisien, ajuste la transformation. Le stade français s'est régé même 7-0. Et donc la pluie va rendre le ballon glissant. Et peut-être perturber les bonnes intentions des deux équipes. Alors qu'on voit que le centre extérieur a été bloqué par ces joueurs qui sont venus à faux, à vide. Allez, la réaction des Palois. 10 minutes de jeu, premier essai parisien. Renvoi David Ocagne, dévié par Chaffardon dans les bras de Moscato. Avec une belle pression des Palois. Dominguez. Trail, contrôle au pied, bien fait. Chandelle de l'arrière palois. Ce sera la lutte avec Marconnet à la tombée du ballon. Récupéré, Damien Trail, bien fait. Torossia écarte Ocagne. Ocagne lance Vignolo. Repris sur la ligne des 22. Relais de Pascal Morin. Torossia Ocagne. Ocagne, Mats, passe raté. Martin en difficulté face à Lombard. Pris et refoulé par Milton, reçoit le soutien de Fauquet. Les Palois viennent de reculer de 20 mètres sur cette action. Ils ont quand même libéré le ballon avec Arbo à suivre. Oh, mais un plaquage à retardement. Plaquage à retardement sur Arbo. Ça peut être dangereux. Laurent Arbo qui a du mal à se relever. Donc les Palois vont avoir le choix. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent? Voilà, monsieur l'arbitre avait laissé le choix aux Palois. S'il voulait une pénalité sur la ligne médiane ou aux 35 mètres, évidemment, le choix était vite fait. Et c'est Pau qui peut revenir au score. Vous avez vu la grosse pression des Parisiens après que David Ocagne ait glissé sur sa passe. C'est pour ça que la transmission n'était pas suffisamment précise. Et là, Thomas Lombard n'a pas vraiment visé le ballon. Il était, avec l'élan qu'il avait pris pour contrer le ballon, il est rentré dans le 3 carré, Laurent Arbo.
Laurent Arbaud qui est un joueur très dangereux, qui est crochet éternellement, qui a une bonne pointe de vitesse. Ça, les Parisiens le savent puisqu'il avait planté 2 essais au match aller. Match aller gagné donc 26-23, je vous le disais, par les Palois. En cas d'égalité à la fin des poules, le goal average particulier peut compter. Et donc c'est les Palois vont avoir intérêt, s'ils devaient perdre ce match, à perdre par le plus petit écart. En attendant, lui, David Ocagne réduit le score 7-3 pour le Stade français. Voilà, ça va le mettre en confiance pour la suite du match. C'est important ces premières pénalités, les mettre dedans pour pouvoir être plus relax après, avoir une maîtrise supérieure du jeu, lecture du jeu aussi, savoir comment ça se passe de l'autre côté. Diego Dominguez pour le coup de pied de renvoi à la récupération. Il y a un Parisien qui dévie dans les bras de Moscato, Losuc. Et le ballon qui sort en touche dans les 22 Palois. C'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de choix, Christophe Losuc, puisque tous les Palois avaient fait une grosse pression sur cette conquête après la prise de balle. Les Parisiens qui ont été obligés de se faire plusieurs passes avant de dégager le ballon pour leur demi de mêlée. Il avait bien vu le coup avec un espace libre derrière, même avec Franck Rollès qui était là pour récupérer le ballon. Il était un peu juste. Franck Rollès qui fait beaucoup de soutien, de repli défensif. Pénalité pour la section. Une pénalité pour contre le deuxième ligne international, David Oradou. C'est un match assez équilibré pour l'instant, où chaque équipe a eu un moment de prise d'initiative. Ouh là là, la touche n'a pas été trouvée par Ocagne. Relance de Thomas Lombard, bien plaqué, mais qui trouve le soutien de Juillet. Les Parisiens qui essaient de rester debout, qui vont au sol au dernier moment. Voici le garde blanc. Encore, on insiste sur le fermé. Ça va, l'impact de l'équipe de France. Dominguez, ça cette fois c'est Grandchamp avec Mitton qui est venu percuter, qui a été bien stoppé. Oui, mais la défense veillait au grain. La défense veillait au grain. Une pénalité quand même pour les Parisiens. Ouais. Pénalité pour les Parisiens, ça veut dire que les Parisiens réussissent à conserver le ballon un peu plus longtemps que les Palois. Et donc sont davantage maîtres du jeu jusque-là. Profitez de cet arrêt de jeu pour jeter un coup d'œil sur les infirmeries des deux clubs, voir quels sont les absents de cette affiche. Côté parisien, Marc Lièvremont va revenir bientôt. Richard Dourte soigne toujours son épaule. Donc infirmerie qui se vide bien. Côté palois, Nicolas Brusque, lui, souffre d'une côte. C'est pas trop grave. Quant aux autres, Sego va revenir bientôt. C'est un pilier. Bonnemazou, Le Loir et Douarche, eux, leur saison est d'ores et déjà terminée. Et depuis quelques temps déjà. Diego Dominguez pour essayer de répondre à David Ocagne. Et bien voilà, toujours aussi précis. Diego et le Stade français mènent 10-3. C'est vrai qu'il y a deux buteurs aujourd'hui sur cette pelouse de grand talent. Il suffit de voir les statistiques. Ils sont vraiment sur le haut du tableau. Ils ont marqué énormément de points. Notamment sur quelques essais, mais beaucoup de pénalités de transformation. Ocagne. Le Stade français fait la course en tête dans ce premier quart d'heure de jeu. Oradou impeccable. Avec le soutien de Moscato et de tout le pack parisien. Losuc sur le fermé. Petit coup de pied à suivre. Ce sera pour Trail. Damien Trail, 19 ans à peine. Qui là est mis sur le reculoir. Même si les Palois conservent le ballon. Oui, mais ils ont réussi à se réorganiser. Par contre, ils l'ont perdu après coup. Ils avaient réussi à se réorganiser. C'est dommage. Combat. Franck Combat qui sert à hauteur, Gomez qui est arrivé lancé et Gomez va aller marquer le deuxième essai parisien sur un ballon perdu par les Palois. Deuxième essai du Stade français, signé Arthur Gomez. Là ça fait mal. Ça c'est une faute importante et qui est sanctionnée immédiatement par l'essai d'Arthur Gomez. On voit ici, c'est une récupération du ballon avec une attaque rapide. Diego Dominguez qui donne à Franck Combat et lui donne rapidement à Arthur Gomez qui avait pris l'intervalle dans le changement de rythme. C'était lui qui était le plus lancé et donc il a reçu le ballon rapidement. Et on revoit ce ballon qui a été perdu par un joueur parlois. Malheureusement, ils avaient réussi à se réorganiser, revenir vers le camp adverse petit à petit. Mais quelle sanction! Ballon perdu,
et c'est de l'autre côté. C'est les meilleurs ballons à jouer, ces ballons de contre à la Oh oui, très souvent, parce que quand on s'organise offensivement, bon, on est en train de se replacer, et quand on perd le ballon, eh bien c'est l'équipe qui récupère le ballon, qui a toute l'initiative, la défense doit se réorganiser à nouveau, et donc à une perte de temps dans cette réorganisation, et c'est bien sûr dans ce cas précis les Bleus de Paris qui en ont profité. Ah, il est bien rentré là, Arthur Gomez, et le Stade français mène 17-3 face à la section paloise. Lossuc sur le fermé, Dominici, l'un des hommes les plus en forme de l'équipe de France en général et de l'équipe parisienne en particulier. Dominguez écarte sur Mitton et Mitton dégage du pied gauche qui va faire cavaler les palois. Traille retrouve Martin intérieur, mais la défense parisienne est bien montée. Rollès bloqué. Oui, voilà, encore là, hein, il est très souvent un soutien défensif. Il y a très bon début de match des Parisiens. Et Christophe Mouni qu'on retrouve aussi. Beaucoup plus opportuniste, disons qu'ils ont eu deux occasions de marquer, ils les ont mis au fond. Et ça, c'est toute la différence. Alors qu'on voit ici un duel délié entre Laurent Rabot et Christophe Dominici. Regardez ce ballon qui essaie d'être mis dans la cocotte, dans le jargon rugby. Essaie de le mettre dans son camp protégé. Damien Traille est touché. Ça, c'est un coup dur pour les Palois qui ont, on vous l'a dit, déjà perdu Nicolas Brusque. Ça serait vraiment un coup dur. Lui qui joue très souvent au centre. Et qui était l'arrière de l'équipe de France. Qui a moins de 21 ans. Moins de 21 ans, qui a battu l'Écosse samedi dernier. Poste auquel il alterne avec David Skrela. Dire les qualités de ce joueur, puisque David Skrela, on en a beaucoup parlé ces derniers temps aussi. Et Damien Traille fait partie sans doute de l'avenir du rugby français. Hein. 1m92, 90 kg, gros gabarit, ce dont on a sans doute besoin. Alors que Christophe Payet, lui, s'apprête à rentrer en jeu si la sortie de Damien Traille devait se confirmer. Ça serait un sacré coup dur pour les Palois. Ça devrait entraîner une petite réorganisation aussi des lignes arrière paloises. Alors confirmation, sortie de Damien Traille, rentrée de Christophe Payet qui est plutôt trois quarts centre. Alors on va voir où il va se positionner. Ben, apparemment il va à l'arrière directement. Allez, ballon capté par les Palois qui viennent de prendre deux essais et de perdre leur arrière, peut-être lourd à surmonter. Mais ils ont toujours fait des bons matchs à Jean Bouin, les Palois. C'est une équipe qui réussit pas forcément beaucoup au Stade français, donc ils vont y croire jusqu'au bout. Ocagne par-dessus la défense parisienne, coup de pied qui va peut-être aller trouver la touche. Oui, il la trouve bien dans les 22 parisiens. Voilà, il faut aller jouer dans le camp adverse, essayer de mettre la pression, ce qui permet de marquer, si possible, des pénalités. C'est toujours plus facile d'essayer de marquer des essais quand on est à 30-40 mètres plutôt qu'à 80. On voit ce coup de pied magnifique qui vient mourir pratiquement à 10 mètres de la ligne de but des parisiens. Lancé Boscato qui trouve Oradou. Et les nouvelles de Damien Traille. Oui. C'est une élongation au niveau des ischio-jambiers, donc pas question de revenir sur le terrain, bien évidemment. Ballon pour son remplaçant, Christophe Payet, qui tape à suivre, qui est bloqué, qui est stoppé par un plaquage parisien. Et Monsieur Dumais va accorder une pénalité à la tombée du ballon. Même cause, mêmes effets avec Laurent Arbeau précédemment, là avec Christophe Payet. Coup de pied, retenu ou plaquage en retardement, et puis sanction, c'est pénalité au point de chute du ballon. Importante parce qu'elle va permettre aux Palois de revenir un peu au score. Voilà, on le voit, hein, c'est exactement les mêmes choses. Voilà, il n'y a rien de très méchant. Mais quand on saute pour contrer le ballon comme ça, évidemment, quand on retombe, on gêne la course et l'élan de l'adversaire. Philippe, on en profite pour parler du buteur palois, David Ocagne, qui a été très critiqué après sa performance contre les Écossais, même contre les Gallois. Il faut quand même souligner qu'il a été mis dans des conditions particulières, chaque fois en rentrant après deux minutes de jeu. Quand on est remplaçant, on ne se prépare jamais comme un titulaire. Ça, on se prépare, c'est vrai, légèrement différemment, et on n'a pas la même pression. Et donc, quand on rentre à deux minutes, juste après le coup d'envoi, c'est très difficile, très certainement. Mais David Ocagne, on l'a vu maintes et maintes fois en championnat. Hein. Il a beaucoup de talent. C'est un buteur qui marque vraiment beaucoup de points.
un bon animateur de jeu aussi. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance que d'être rentré à chaque fois juste à quelques minutes. Il n'a pas vraiment le temps d'imaginer, de voir le match, d'observer. Et donc, c'est toujours plus difficile. Et puis, ce n'est pas un joueur, c'est une réorganisation collective aussi avec tous les trois quarts. Et donc, même si ce travail d'entraînement, c'est toujours plus difficile. Et en tout cas, il a réduit le score. 17 à 6, toujours en faveur des Parisiens. Julie a volé ce ballon. Conservé par le pack parisien. Losuc écarte Dominguez. Dominguez croise avec Cliff Mitton. On rate les plaquages. Côté palois, Mitton accélère. Il est repris dans les veines de Libère. Son ballon sur lequel un avant-parisien s'est couché. L'action rebondit avec accélération d'Arthur Gomez. Et la passe dans les chaussettes de Thomas Lombard. Ça a failli aller au bout. Heureusement que la passe n'était pas très très bonne. Mais monsieur l'arbitre a sifflé en hors-jeu encore des Blancs. Après le regroupement, des joueurs palois avaient anticipé, alors qu'on revoit la passe dans les chevilles, là, on peut le dire. Ce qui est dommage pour les Parisiens, alors que Cliff Mitton fait un début de match remarquable au milieu de l'attaque. Il prend beaucoup d'initiatives et surtout il joue les intervalles. Et ça lui réussit plutôt bien. Lui qui s'est mis au goût du jour avec la coiffure style d'Ourthe et Dominici. Vincent Moscato, 11 points d'avance pour les champions de France. David, non ! Couloir les gars, couloir hein ! Conciliabule avec Marconnet. Couloir ! Couloir ! Ici, ça part ici. Deuxième. Oradou capte bien. Allez, le mol parisien. L'intérêt de rester debout quand on est près des lignes. Mais le ballon retour aussi à piquer le ballon. Losuc a intercepté, mais M. Dumais a sifflé une pénalité contre les Palois. Monsieur Dumais siffle à nouveau un hors-jeu sur ce groupement. C'est le quatrième hors-jeu des Palois. 4-0. Hein. Mais c'est vrai que la maîtrise est plus parisienne, maîtrise du ballon. Gember, poussé par tout le pack, s'écroule avant la ligne. Donc il va falloir sortir ce ballon, on insistera là-bas pour un essai, non. Mais les A5, ils ne sont pas passés. La défense non. Paloise tient bon sur ces phases. Je pense que ça va être un moment très important pour les Palois. Ne pas encaisser d'essai à ce moment-là. C'est vrai qu'ils sont un peu moins bien, il y a eu... Donc une blessure avant même de rentrer sur le terrain hein, du pied Philippe Trèves-Capdeville. Maintenant l'arrière, l'équipe est un peu déstabilisée. L'important pour eux c'est de ne pas encaisser un nouvel essai pour pouvoir se remettre en confiance et essayer de repartir après. Et d'autant qu'ils avaient chargé au score en Narbonne et ils avaient perdu 39 à 5. Juillet pris. Oui mais les Parisiens le savent, c'est pour ça qu'ils font le forcing. Gomez. Il conserve le ballon pour essayer de lancer Thomas Lombard à 2 mètres de la ligne. Stoppé, tout prêt. Ça va ressortir pour Losuc qui attend ce ballon. Pénalité encore pour les Parisiens. Ils commencent à commettre beaucoup de fautes les Palois. Et très près de la ligne comme ça. De toute façon, il faut se démener au maximum pour éviter de prendre un essai. Évidemment, en essayant de respecter la règle. Ne pas prendre de points. C'est la règle numéro 1 déjà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tenter ce coup-ci ? Une nouvelle fois, jouer à la même pour lancer les avants. Allez, il faut se resserrer d'un côté ou de l'autre, suivant si on est bleu ou blanc. C'est parti. Ça n'ira pas, en tout cas, le môle n'ira pas derrière la ligne puisqu'il a été écroulé, ou qu'il s'est écroulé tout seul. Losuc, Dominguez pour le drop de Diego Dominguez, qui passe. 3 points de plus pour les Parisiens. Drop goal de Diego Dominguez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que les Parisiens reviennent dans les 22 adverses, ils marquent. Alors que Diego Dominguez a marqué son premier drop uniquement de la saison. Lui qui en a marqué énormément dans sa carrière, eh bien cette année, c'est son premier. Il n'est pas fou, il attend les phases finales pour utiliser cette tactique. C'est une arme redoutable. Après une domination comme ça de quelques minutes dans le camp adverse, évidemment, il faut scorer, il l'a compris. Et il l'a fait. 20 à 6 pour le Stade français, alors que l'image de la petite détresse momentanée des Palois, illustrée par ce renvoi de David Ocagne directement en touche
Eric qui va donner une mêlée au centre parisien. Oui, Pierre. Je voudrais vous montrer quelque chose, une chaussure, regardez. La chaussure de Thomas Lombard, qui a perdu deux crampons. Il est obligé donc de changer, bien évidemment. Regardez, voilà, ça les deux crampons qui manquent. Ça, c'est peut-être des crampons pour le soleil, pas pour la pluie, non? Va falloir resserrer les boulons, alors, hein, côté parisien, si j'ose dire. Mais les effondrés à refaire. Introduction, Losuc. Losuc. Losuc qui perce. Oula. Qui tape à suivre sur l'aile de Dominici. C'est très bien fait. Dominici va récupérer. Il est longé par le rebond. Et c'est Laurent Arbeau qui sort en touche à quelques centimètres de la ligne paloise. Vous voyez, ce sont un rejoint rapidement des matchs comme aujourd'hui, où les joueurs peuvent reprendre confiance. Christophe Losuc a joué lui aussi le week-end dernier. Eh bien, c'est reprendre quelques initiatives repositivées pour avoir la tête beaucoup plus claire. Oui, Losuc a connu sa première sélection en remplacement de Philippe Carbonneau. Et il y avait 7 joueurs du Stade français à un moment sur la pelouse du Stade de France. Donc 7 joueurs à remotiver et à réconforter, je dirais, cette semaine. Les Parisiens, les entraîneurs parisiens, ils sont bien parvenus apparemment. Lancé, Moscato en fond d'alignement, gagné par les Palois. C'est un ballon qui fait du bien pour les Palois. Hein. Torossi en alerte Ocagne, David Ocagne écarte un peu le danger. Mais on reste, on campe côté parisien dans les 22 Palois. La Moni Lobé. Ouais, Lobé. Ça fait du bien de récupérer ses ballons près de sa ligne pour se dégager, là jusqu'au 22 mètres. Philippe ? Oui, oui. Je suis à côté de Bernard. Tout à l'heure, Philippe Sella parlait de la confiance retrouvée de vos joueurs, et notamment des internationaux. Je pense que ce début de match a été en tout cas propice à cette confiance retrouvée. Oui, sauf que là, ça fait deux ballons touches qu'on n'a pas, donc il ne faut pas se relâcher du tout. C'est vrai qu'on a retrouvé un peu de confiance et d'enthousiasme, mais il faut continuer, rien n'est fait. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est vrai que la question intervenait au deuxième lancé de Moscato qui atterrissait dans des mêmes paloises. Alors Bernard Laporte n'a pas apprécié. Dégagement d'Arthur Gomez, très beau dégagement. Il ramène le jeu dans le camp palois. Il arrive à trouver une superbe touche dans les 40 adverses. Arthur Gomez qui a joué lui aussi avec l'équipe de France A et qui a gagné contre l'Écosse. Voilà, au radou cette fois, Lobé. Ah, il y a un petit manque de coordination hein, côté parisien en touche, parce que deux touches comme ça perdues en l'espace de deux minutes, ça fait beaucoup. Il a raison, Bernard Laporte s'inquiétait un peu, parce que comme on sait qu'il y a vraiment beaucoup de lancements de jeu qui peuvent être dangereux derrière les touches. Rollès dévie sur Laperne, David Laperne, relais, interception de Christophe Moni pour un contre parisien. Mitton combat, ça joue vite, à suivre sur l'aile de Dominici qui va essayer de déborder Arbeau et Payet contré. Oula, il y a eu un peu de billard. Ouais. Et finalement ballon en touche. Vous voyez comme quoi à chaque fois qu'il y a un ballon de récupération, l'équipe devient beaucoup plus dangereuse, elle avance. Il peut y avoir des sanctions très importantes. Alors là qu'il y avait une superbe charge, il y a eu l'interception. Le soutien peut-être pas suffisamment près du porteur du ballon. Mais c'est Christophe Moni qui vit au gré, il était... Le voilà, Moni qui capte impeccablement cette fois le lancer de Moscato. Losuc, Dominici arrivé à hauteur. Mais il est ouverte dans les 22 palois avec la charge de Moscato. Ballon qui sort pour Dominici. Dominguez en fait. On lance Mitton. Mitton avec Marconnet maintenant. Qui tient bien debout. Le reçoit le soutien de Juillet. Va au sol pour libérer son ballon. Interception paloise. Pénalité, signale Monsieur Dumais contre la section. Oui, Monsieur Dumais qui demande à tout le monde de se calmer, de se taire. Sylvain Marconnet qui se relève le dernier. Oui, c'est monsieur l'arbitre qui a vu un troisième ligne palois hors jeu, qui n'a pas fait l'effort de revenir dans son camp et donc il le sanctionne à cause de cela. Alors qu'on revoit l'action avec une fausse croisée, on remet à l'intérieur pour Cliff Mitton et Sylvain Marconnet qui tient debout. C'est un peu ce qu'avaient fait les Écossais contre la France, jouer debout absolument, même avec le plaquage, pour pouvoir redonner le ballon à chaque fois à des soutiens qui arrivent dans l'axe. Diego Dominguez, 3 points de plus, Stade français 23, section paloise 6, score qui s'alourdit à l'approche de la mi-temps. Oui, il va y avoir peut-être une remontée de bretelles à la mi-temps.
Alors que vous voyez la petite voiture qui, comme d'habitude, apporte ici le tee au buteur. Et si on doit comparer le match aller-retour, à Pau, les Palois avaient été très très forts, très puissants en défense. Et les Parisiens avaient eu de sacrés problèmes. Aujourd'hui, effectivement, les Parisiens arrivent à jouer debout, comme on a vu Simon Marconnet. Et donc, ils perdent aussi quelques ballons. Et ils ont été sanctionnés immédiatement. Paris joue avec beaucoup d'opportunisme. Et la mêlée paloise qui avait chahuté les Parisiens au match aller n'a pas retrouvé sa puissance aujourd'hui, apparemment. Eric, oui, pardon de vous interrompre, mais j'ai retrouvé Damien Traille du côté des remplaçants. Damien, on sait que c'est les ischios qui sont touchés. Comment ça s'est passé exactement? Sur un repli défensif, j'ai voulu accélérer, j'ai senti une boule derrière le genou. Alors je sais pas, on va voir après le kiné. Ça se traduit comment? Plus d'appui, plus incapable de courir? Impossible d'accélérer, c'est pas la peine de continuer si on ne peut pas accélérer. Donc il vaut mieux sortir. Parfait, merci beaucoup. Soignez-vous bien. Nicolas Brusque, Damien Traille, ça fait beaucoup. Hein. Puis des joueurs vraiment qui sont aux portes de l'équipe de France, qui jouent avec les A, les moins de 21 ans. Brusque, c'est un coup aux côtes reçu à l'entraînement qui ne devrait pas l'empêcher de jouer le week-end prochain lorsque la section paloise se déplacera à Colomiers. Capté ce ballon par Alain Lagouarde, titularisé aujourd'hui en deuxième ligne aux côtés de Thierry Cléda. Cléda pour Torossian. Rolès, plaqué par Moni et Poul Jones. Torossian au Cagne. Il n'a pas pu passer son ballon, en tout cas il y a eu un en avant. Mais que c'était bien joué, il y avait une prise d'intervalle, une accélération, et puis il a voulu donner le ballon à Christophe Payet, juste derrière la défense, alors qu'on revoit ce ballon là. Hop, il était passé, mais peut-être qu'il était un peu fort, Tom. Mêlée, introduction, Losuc. Départ de Juillet interrompu par le coup de sifflet de M. Dumais qui accorde une pénalité aux Palois. Il reste 5-6 minutes dans le temps réglementaire de cette première période ici à Jambouet. En 23-6, il faudrait que les Palois puissent marquer, se rapprocher un peu au score pour garder des espoirs pour la seconde mi-temps. Palois qui ont été très irréguliers tout au long de la saison à l'extérieur alors qu'ils se sont montrés intraitables à domicile où ils ont battu tous les gros du championnat, Toulouse, Brive, le Stade Français, Colomiers. En revanche, à l'extérieur, c'était plutôt moyen. Ça s'est confirmé à Narbonne. Ça se répète aujourd'hui ici à Paris. Or, on le sait, pour se qualifier pour la suite, pour les quarts de finale, faut décrocher un résultat à l'extérieur. Et dans cette poule, pour l'instant, seul Colomiers en gagnant à Narbonne a réussi à le faire. Ça assurerait une qualification, voire une première place aussi. Cette fameuse première place est tant convoitée par tous ces clubs. Lancé en fond d'alignement, capté par Rolès. Voilà le môle palois qui est en train de s'organiser avec l'appui de Torossian. On désaxe pour repartir par là-bas, mais ça s'est écroulé. Torossian a le ballon, Torossian au Cagne. Au Cagne, feinte, croise avec Fauquet. Fauquet agrippé par Juillet. Les palois ont reculé et ont sans doute perdu le ballon puisqu'il va sortir du côté de Losuc, qui tape à suivre. Dans les bras de Payet. Rolès encore une fois qui est là. Il est partout, Franck Rolès, depuis le début du match, même si ça ne suffit pas. Torossian au Cagne arrive lancé. Oui, qui a voulu jouer à hauteur. Il est tombé sur la troisième ligne parisienne. Torossian, charge du capitaine Joël Rey. Qui se retourne bien. Relais de la Perne qui arrive sur les 22 parisiens. Avec Morin, Torossian au Cagne. Il y a peut-être un point à jouer là-bas. On se transmet bien le ballon avec Rolès encore une fois. Dans la ligne. Mais ça ne met pas pour l'instant vraiment en danger les Parisiens. En charge de Lagouarde. Monsieur Dumais a vu quelque chose et accorde une pénalité aux Palois. Et oui, parce que le plaqueur gêne la sortie du ballon. Alors que quand les ballons arrivent à sortir rapidement, on voit un jeu qui évolue avec les avant, les trois quarts. Et là, bon, mais c'est vrai que les Parisiens n'avaient pas le ballon depuis un certain temps. Et donc se retrouver en réorganisation permanente. Et donc les secondes gagnées par une mauvaise sortie du ballon, et bien ça les a rangées pour pouvoir se replacer. Alors les Palois, c'est pas 3 points qu'il leur faut aux Palois, c'est 7 points minimum. Donc ils ont tapé en touche pour essayer de marquer l'essai. On revoit encore le troisième ligne omniprésent dans ce match.
Il y a les têtes de pont des joueurs pour essayer de livrer le ballon pour leur demi-mêlée. Pancolès qui a renoncé au mariage de sa sœur Myriam aujourd'hui pour être titulaire au centre de la troisième ligne paloise. C'est lui qui a capté ce ballon qui va peut-être envoyer Jason Max à l'essai avec l'appui des trois quarts palois. Le ballon n'a pas passé la ligne. Torossian l'attend pour faire charger Aura. Peut-être on repart en marque. Non, il n'y a pas essai. Ça s'appelle l'esprit d'équipe pour Franck Grolès. L'esprit d'équipe, être avec ses coéquipiers. Mais on a vu des Palois très présents là. Hein. Ils veulent absolument marquer. Ils ont raison. Ils savent que juste avant la mi-temps, ça leur permettrait de recoller. Un petit temps mort entre guillemets pour une blessure d'un joueur parisien, c'est Diego Dominguez. Et Frédéric Torossian va introduire ce ballon. Dans ces 2-3 minutes qu'il reste en première mi-temps, alors que les premières lignes s'effondrent, c'est le moment ou jamais pour marquer pour les Palois, pour conserver quelques illusions dans ce match. Allez, comment va-t-on s'organiser autour de la mêlée? D'abord, il faudrait que la mêlée ait lieu. Torossian joue, il te le couffera sans l'autorisation de l'arbitre qui n'accordera pas l'essai. Apparemment, il y a des problèmes de liaison. C'était rusé, c'était bien tenté quand même par Torossian. Alors que c'était la première mêlée à introduction Pau, il y avait eu jusque-là 6 mêlées introduction au Stade français. Des problèmes de liaison en mêlée que M. Joël Dumais a évoqué avec les premières lignes des deux équipes dans le vestiaire juste avant la rencontre d'ailleurs. Il leur a rappelé les règles. Oui, c'est une tiape. En tout cas là, cette fois, ce sont les Palois qui sont pénalisés doublement parce qu'après un geste de mauvaise humeur, ils perdent 10 mètres. Voilà qui n'arrange pas les affaires de la section. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on est si près de la ligne de but, se faire sanctionner, c'est toujours malvenu. Ils vont se retrouver dans leur camp au lieu d'être peut-être derrière la ligne but adverse. Exactement. Les revoilà dans leur moitié de terrain après le coup de pied de Diego Dominguez. Une équipe paloise qui doute, à l'image ici de Christophe Payet, rentré tout à l'heure à la place de Traille. Beaucoup de problèmes avec la technique entre les premières lignes, qu'on voit beaucoup dans tout le championnat actuellement. Lancé Moscato, dévié par Oradou, Losuc, Dominguez. Dominguez saute Mitone pour servir Franck Comba qui retrouve intérieur Thomas Lombard, bien pris par Ocagne. Yann avant de Mitone, récupération Martin pour la section paloise. Yannick Martin est allé au sol pour libérer son ballon. Monsieur Dumais va revenir à la faute précédente. Ouais. Première faute d'Adam Bleu. Donc la mêlée va revenir pour les Palois. Deux équipes un peu inséparables, Philippe, puisqu'elles se retrouveront en demi-finale de la Coupe de France. Sur terrain neutre à La Rochelle. L'autre demi-finale opposera Bourgoin à Bègles. Avantage psychologique peut-être pour le vainqueur d'aujourd'hui. Départ de Franck Rollet, stoppé par Moni. Torossian, Ocagne. Ocagne, Mats oublie le ballon. Contre de combat, sprint de Dominguez. Diego Dominguez, il va y avoir un essai parisien. Oui, ils étaient à deux pour aplatir. C'est Franck Comba. Franck Comba qui marque le troisième essai parisien. Pratiquement à la fin de la première mi-temps. C'est un coup très très dur. Et on voit les avants de Pau qui reviennent dans leur camp avec une certaine déception après ce ballon qui est tombé entre 2-3 quarts palois. Et donc ce sont les Parisiens qui étaient à l'affût. Et il y avait même trois Parisiens avec Franck Comba, Diego Dominguez et Thomas Lombard. Et c'est finalement Franck Comba qui marque cet essai. Ils ont failli se gêner d'ailleurs. Mais quel coup du sort, quel coup dur pour les Palois juste avant la mi-temps, alors qu'ils pouvaient marquer quelques minutes auparavant. Ils se retrouvent derrière leur poteau. Et sur les trois essais qu'ils encaissent, ils en prennent deux en contre. Transformation de Diego Dominguez, le score enflammé. C'est la mi-temps. 6. Et c'est la mi-temps. Et Monsieur Dumais, effectivement, siffle la mi-temps. Revoit l'erreur, c'est Mats qui a lâché le ballon. Et Yannick Martin ne peut rien contre les trois Parisiens. Essai de Franck Comba, trois essais pour les Parisiens, deux pénalités d'Ocagne, le score 30-6. Pierre. Oui, je suis avec Thomas Lombard. Thomas, tout à l'heure on parlait de confiance avec Bernard Laporte. Là, après une première mi-temps comme celle-là, j'imagine que ça doit aller mieux dans les têtes quand même. Oui, c'est sûr qu'on a fait une bonne première mi-temps, mais enfin bon, faut pas se relâcher. L'an dernier, on avait
eu énormément de mal à battre ces mêmes Palois ici pour la qualification. Donc je crois qu'il faut rester concentré. Il nous reste 40 minutes. Bon, après, c'est sûr qu'on pourra avoir envisagé l'avenir plus sereinement. Mais bon, faut pas prendre feu. Et vous avez vu, c'est Richard Poole-Jones qui est venu chercher son camarade. Il y a beaucoup, beaucoup de solidarité et surtout beaucoup de concentration encore qu'on veut conserver jusqu'au bout. Oui, parce qu'ils sont bien partis pour réaliser un match presque parfait, les Parisiens, que l'on raccompagne dans leur vestiaire. On sent pas la même équipe paloise qu'au match aller, hein, Philippe. Au match aller, ils avaient été très très généreux, une défense très agressive. Sur tous les impacts, ils ont fait reculer les Parisiens. On a vu beaucoup de milieux qui avançaient, une force collective pendant tout le match. Alors que là, il y a des moments où justement on sent cette force qui revient, mais elle n'est pas constante. C'est la différence. Et par ce manque de constance, eh bien, ils ont perdu des ballons, ils ont perdu trop de ballons et qui ont été sanctionnés par des essais, par beaucoup de points derrière. Eric Leda, alors qu'il y a un spectacle qui se prépare au milieu de la pelouse avec des Polynésiens qui vont faire le haka, qu'on connaît bien dans le pays du rugby avec les Néo-Zélandais. Allez, on va vous en offrir quelques secondes avant le journal du rugby. Voilà, en tout cas pendant la mi-temps sur Canal, c'est le journal du rugby pour voir l'actualité de l'hémisphère sud aussi d'une certaine façon, avec notamment les plus beaux essais du Super 12, c'est Stéphane Le Goff qui vous commande ce journal du rugby. L'essai de la semaine nous vient de Nouvelle-Zélande dans ce match du Super 12 entre Otago en bleu et le champion en titre, Canterbury. Combinaison gagnante du week-end, il fallait jouer le 9, le 10, le 12, le 14 et enfin le 13 repâti, puisque la finition c'est évidemment la construction de cet essai qu'il faut retenir. Le même en replay, s'il vous plaît, avec Gallagher, Brown, double croisé Alatini et Lionel, l'ailier qui perce pour une arrivée gagnante de repâti, un quintet qui a rapporté gros ce week-end, on y reviendra. En marge du tournoi des 5 nations, l'Irlande et l'Italie nous ont donné un avant-goût ce week-end de ce tournoi qui deviendra désormais celui des 6 nations l'an prochain. Une équipe d'Italie sans complexe qui, après seulement 48 petites secondes, aplatie dans l'embut irlandais par l'intermédiaire de son grand deuxième ligne Cristofo Leto. Italie 7, Irlande 0. Réaction irlandaise 10 minutes plus tard sur cette attaque grand côté et un ballon qui va voler jusqu'à l'aile pour Bishop qui aplatit en coin. Un essai partout, mais l'Italo-Argentin du Stade français, Dominguez, grâce notamment à ce drop, recreuse l'écart pour les transalpins. 16-8 pour l'Italie, qui s'offre même le luxe ensuite d'aller inscrire un deuxième essai sur cette attaque au large. Nom du pointeur, Baroni. À la mi-temps, l'Italie mène en Irlande 23-11. Des Irlandais blessés dans leur orgueil et qui vont faire la différence en seconde période en inscrivant 4 essais. Voici les deux plus beaux avec tout d'abord Dempsey pour la percée et l'arrière Oshie pour la conclusion. Ensuite, on prend les mêmes et on recommence de l'autre côté cette fois avec Elwood qui redouble, Bell, mais Oshie cette fois se fait passeur pour son ailier Dempsey. L'Irlande s'impose finalement 39-30. Le tournoi est mort. Vive le tournoi.
Et on atterrit pour le Super 12 en Afrique du Sud, très exactement au Newlands de Capetown. Le Cap paraît-il l'une des plus belles villes du monde. Je n'en doute pas une seule seconde. Et qui plus est, on y pratique un rugby de rêve. Démonstration sur cet essai des Stormers face aux Sharks. Vanzi, l'ouverture grand côté. Skinstadt en relais, sauté pour l'arrière. Montgomery lancé, imparable. Montgomery fixe ensuite pour son ailier Rosso qui aplatit en coin. Et comme c'est beau, eh bien, on vous le repasse. ...20-8 pour les joueurs du Cap, réaction de ceux du Natal, là aussi c'est pas mal non plus, avec, vous allez voir, Joubert, Andrews, et un ballon qui va parvenir en bout de ligne à un ancien joueur du Cap et international, Justin Swart, qui avait complètement disparu des tablettes et qui se refait visiblement une belle santé du côté de Durban. Mais poussé par les 56 000 spectateurs du Newlands, les Stormers vont faire la différence en fin de match en inscrivant deux nouveaux essais, le premier par Léonard, pour quelques centimètres. Léonard félicité par Rosso et Robbie Fleck. Le deuxième essai suite à cette pénalité rapidement jouée et il semble évident que du côté des Stormers, on aime aussi le contournement et pas seulement l'affrontement. Skinstadt passe sauté pour Brighton Poles qui scelle la victoire des Stormers 35-19. Les Stormers désormais deuxième du Super 12. Rien ne va plus par contre pour le vainqueur de la dernière Currie Cup, les Northern Bulls, qui ont subi le week-end dernier une nouvelle défaite à domicile face aux Australiens du Queensland. Voici le seul essai du match sur cette percée de Tutai Kefu pour les Australiens et c'est signé Wilson. Le Queensland s'est imposé 17-7 chez les Bulls. Comme prévu, un petit retour sur Otago en bleu qui affrontait donc le champion en titre Canterbury. Otago nous a offert l'essai de la semaine, mais s'est aussi imposé facilement à domicile 23-6 grâce notamment à ce deuxième essai de Brian Lima. Otago plus que jamais leader. Et on le constate sur ce tableau avec Otago en tête avec 26 points. Les Stormers et le Queensland sont deuxièmes à 4 points. Auckland, grâce à sa victoire sur Wellington, passe de la 10e à la 5e place avec en plus un match en retard. Derrière, toute chance de se qualifier dans les 4 premiers et désormais à exclure pour les Chiefs de Waikato et les Northern Bulls. Bonne nouvelle, on a appris cette semaine que Matthew Burke, opéré d'une fracture à l'épaule l'été dernier, pourrait peut-être disputer tout de même avec l'Australie la prochaine Coupe du Monde. Son chirurgien l'a autorisé à reprendre les entraînements avec contact. Henri Onibo, l'ouvreur du Natal et des champions du monde sud-africain, a annoncé quant à lui qu'il arrêterait sa carrière après la prochaine Coupe du Monde. Tant mieux pour ses adversaires. Enfin, n'oubliez pas ce week-end les autres matchs du top 16, avec notamment dans la poule 1 un match qui vaudra peut-être une qualification pour les quarts de finale entre Agen et Bourgoin. Dans la poule 2, Narbonne ira chercher à Colomiers les 3 points perdus à domicile au match aller. Dans la poule 3, Castres sans Castagnède aura fort à faire chez lui face à Dax. Et dans la poule 4, Toulon tentera l'exploit d'aller battre Montferrand sur ses terres. Et donc pour tout savoir sur cette quatrième journée du top 16, rendez-vous demain dans Jour de Rugby, 20h sur Canal Plus en numérique, Canal Plus Vert, et un petit peu plus tôt que d'habitude, vers 23h30 ou 40 dans l'équipe du dimanche. Philippe, on va revoir les stats principales de la première période. Oui, avec d'abord la maîtrise du ballon, où elle était plutôt parisienne, avec plus de 7 minutes, 3 essais marqués, parce que les Parisiens ont passé pas mal de temps dans les 22 mètres adverses, alors que les Palois, pendant les 43 secondes où ils étaient près de la ligne de but adverse, ils n'ont pas réussi à marquer. Et une autre statistique quand même qui est très importante aussi, vous avez vu qu'ils ont marqué 3 essais les Parisiens parce qu'ils ont récupéré beaucoup de ballons. Effectivement, en récupération de ballons, le Stade français CSG en a récupéré 7, dont il y a 2 essais derrière. Pour les Palois, il n'y a eu qu'une récupération. La grosse différence est faite là. Et donc l'opportunité est venue peut-être du fait que les Parisiens mettent plus de pression et constamment sur leur adversaire dans cette première mi-temps. Le retour des Palois. Va-t-il y avoir un peu de coaching vraisemblablement? J'aperçois le numéro 19 d'Abder Agheb qui va rentrer en troisième ligne. Alors 30-6 c'est le score, 24 points de retard, est-ce que vous leur accordez une petite chance aux Palois, Philippe? Mais il y a 40 minutes encore pour marquer des points, beaucoup d'essais. Si le,
Paris a réussi à marquer beaucoup de points, c'est parce qu'ils ont dominé, ils ont réussi à aller très rapidement et derrière la ligne grâce donc à tous ces volumes de récupération. Pau peut le faire en deuxième mi-temps, il peut y avoir des revirements de situation, on l'a déjà vu sur d'autres matchs, donc il faut y croire jusqu'au bout, il ne faut pas entrer sur le terrain battu ou abattu, donc espérons qu'ils aient encore des ressources pour dépasser les Parisiens. Deuxième mi-temps, c'est reparti avec Diego Dominguez dans les bras de Torossian. Torossian dans ses 22 pour la charge de Rolles. Les Palois vont-ils démarrer fort cette seconde période pour essayer de vite réduire le score? Dégagement d'Ocagne, pratiquement sur le toit de la petite tribune du stade Jean Bouelin et Eric, pratiquement chez le commentateur de Canal. Merci David. Eric. Oui Pierre. Oui, pardon de vous interrompre, mais je suis à côté de Jean-Michel Aguirre. Jean-Michel, j'ai l'impression qu'en première période, on a vu exactement le même scénario que la première période de Narbonne-Pau, c'est-à-dire avec une équipe de Pau qui est un petit peu, allez, j'allais dire, à la dérive. C'est peut-être un peu exagéré, mais... Non, le problème, c'est que après avoir bien commencé le match, bon, on n'a pas concrétisé. Et surtout, après, on a perdu beaucoup de ballons. Et sur X ballons, la puissance du stade français a été très, très, très efficace et nous a transpercé. Bon, mais là, c'est vraiment une situation de match un peu difficile. Et espérons que nous aurons le regain de fierté qu'il faut dans ce cas-là. Quoi. Pas de changement? Pas de changement pour l'instant, mais regardez, c'est des Pour Vinicius, il n'a pas pu aller au bout de sa phrase, Jean-Michel Aguirre, puisque Christophe Dominici est venu conclure un beau mouvement parisien, parti de loin encore, Philippe. Oui, qui est parti de très très loin, où la conservation du ballon est un maître mot, et où les trois quarts essaient de jouer avec des sautés. Des joueurs qui vont chercher la défense adverse, ce ballon qui reste toujours dans les mains des joueurs. Et regardez comme ils essaient de trouver à chaque fois le soutien, la solution. Et comme il y a quelques plaquages manqués, évidemment, ça profite à l'équipe qui a le ballon, qui attaque. Ici, Dominici qui avait été excellent avec l'équipe de France, encore une fois, affole un petit peu les défenses adverses par ses crochets, par sa vivacité. Mais c'est vrai que la défense paloise, on l'a dit, à comparer au match aller, est plus en retrait aujourd'hui. Elle monte moins vite, elle est un peu moins agressive. Et ce sont les Parisiens qui avaient besoin absolument de gagner ce match, mais qui en profitent. Oui, on retrouve une grosse équipe du Stade français. Transformation difficile pour Diego Dominguez. Oui, mais elle passe. Hein. Ça passe en plus. Eh bien, ça fait 37-6 après cet essai de Christophe Dominici. Seul Français, d'ailleurs, qui figure dans le 15 du tournoi des 5 nations. Qu'ont désigné nos confrères de l'équipe, qui lui a fait effectivement des bonnes performances, qui a été longtemps blessé en début de championnat, qui a de la fraîcheur physique et de la hargne, de l'envie de gagner. Voilà, Valais Palois, coup d'assommoir d'entrée en deuxième mi-temps. Ça, c'est pas fait pour arranger leurs affaires. Oui, mais il faut parler du goal average aussi, qui va compter sacrément en cas d'égalité. Et les Palois, après avoir largement perdu à Narbonne, sont peut-être en train d'hypothéquer la suite de leur saison en encaissant autant de points ici à Jean Bouin. Rien n'est fait, Eric, encore, puisqu'il reste 2 journées. Et pour eux, maintenant, moi, je pense que les carottes risquent d'être cuites à 35-8. Mais il leur reste 2 matchs. Un à domicile, un à l'extérieur. Il va falloir qu'ils gagnent les 2 pour se qualifier. Dernière journée que vous suivrez en multiplex sur Canal. Le dimanche 2 mai, les 8 matchs, pratiquement tous, seront décisifs vraisemblablement pour la qualification. Dimanche après-midi, à ne pas rater, le 2 mai donc, à partir de 15h. Alors que la semaine prochaine, le choc sera Agen-Stade Toulousain, en direct d'Armandie, samedi 14h. Oh là, ça va plus du tout. Dégagement contré, récupéré par Dominguez. Paul Jones, Moni sur Lombard. Lombard va recevoir le soutien de Mitton qui est pour passer les bras pour un essai de Bonnet. C'est un festival du Stade français. On est en train de retrouver face à une équipe paloise complètement déboussolée, une grosse équipe parisienne. Peut-être, non, regardez. L'essai est accordé, oui. C'est le un cinquième. Contre Diego Dominguez. Le soutien très très proche de Richard Paul Jones qui est toujours là, omniprésent. L'anglais du Stade français CSG. Et puis beaucoup de soutien derrière de la part de tous les trois quarts avec Moni dans un premier temps. C'était Thomas Lombard, lui qui essaie de jouer avec ses partenaires. Regardez le passage de bras, avoir ce ballon toujours disponible pour le partenaire et un soutien incessant, permanent. Mais c'est vrai que
Bon, mais à ce moment-là de la partie, les Palois n'y sont plus trop et ça ne reflète pas vraiment la valeur des deux équipes. C'est vrai que le Stade français CSG avait besoin absolument de se rassurer, ils l'ont fait, alors que Pau, bon, mais s'est démobilisé un petit peu. Transformation de Diego Dominguez, mais dites pas qu'il va la mettre. Eh bien oui, Diego Dominguez, oui. Qui tient sans faute. Diego Dominguez, 4 à 6, alors que c'est lui qui avait contré le dégagement. Oui, Diego Dominguez qui fait un 6 sur 6. Oui, Pierre. Oui, on procédait à un changement du côté du Stade français. On a soulagé Christophe Mauny et fait rentrer Christian Ploch en troisième ligne. Merci bien. Christophe Mauny qui revenait d'une grave blessure, fracture du péroné. Et que Bernard Laporte est bien content de retrouver aussi à son meilleur niveau, ou presque maintenant. J'ai aperçu l'ami Gilardi dans les tribunes tout à l'heure, qui avait l'air d'apprécier d'un regard de connaisseur la démonstration des Parisiens, illustrée encore par la charge de Marconnet. Grosse désillusion pour cette équipe de la section paloise, que l'on pensait à même de donner une meilleure réplique au champion de France sur sa pelouse de Jean Bouin. Ils n'y sont pas, les Palois. Moscato charge, rentre dans les 22. Lossuc. Dominguez combat. Combat, Lomba, interception. Mais il y a eu un petit en avant. Ouais, mais... Non, il n'y a pas d'en avant. Alors ça va peut-être aller au bout avec Martin, qui tape à suivre alors qu'il y avait peut-être un poil mieux à faire. Ils étaient à 3 contre 1. Et Franck Combat sauve la situation. Je pense que là, c'est une occasion gâchée de la part des Palois, parce qu'il y avait un 3 contre 2. Pas classique, puisque deux défenseurs arrivaient sur le côté. Alors qu'on voit là, les Parisiens qui sont pas très bien entendus. Et le ballon a été récupéré par Sébastien Fauquet, qui avait donné ce ballon à Yannick Martin, qui a préféré jouer au pied, alors que Franck Combat avait peut-être vu le coup. Il était resté bien en profondeur. Il y avait peut-être mieux à faire sur ce mouvement. Encore Franck Rollès, qu'on voit beaucoup, oui, qui est vraiment l'homme en forme. Oui, le seul Palois à soutenir la comparaison avec les Parisiens aujourd'hui. Vignolo en avant. Oui, mais je pense que c'est en avant. Il vient de ce fait-là, d'avoir pris ses essais en deuxième mi-temps, d'être démobilisé. Et on ne voit pas le réel pot qu'on avait vu au match aller, qu'on a vu dans tous les rencontres qu'ils ont pu jouer à domicile, donc au stade de Hameau. Les Palois sont un peu dans le rôle des Français et les Parisiens dans le rôle des Écossais. Ah, mais à un moment donné, bon, il y a les valeurs techniques, évidemment, il y a la tête. Effectivement, quand le mental à un moment donné est un petit peu affaibli, c'est plus dur d'avoir une bonne maîtrise de la gestuelle. Dominguez dans un fauteuil, qui gère son match, qui gère ses coups de pied, qui trouve une touche impeccable. Ah, mais vous savez, c'est plus facile de jouer quand au score on a un petit 44 à 6. Alors d'un certain côté, il y a une journée spéciale pour aujourd'hui sur Canal. Alors on espère pour eux que les basketteurs auront un peu plus de réussite ce soir, puisque à 19h25 sur Canal Plus Vert, eh bien, il y aura une demi-finale du championnat de France de basket où on retrouvera des Palois, les Pau Orthez, qui recevra le Paris Saint-Germain. Eric. 19h25, donc sur Canal Plus Vert. Oui, Pierre. Oui, je suis à côté de Christophe Mauny. Christophe, vous n'aviez pas joué depuis 3 mois, je crois. J'imagine que c'est formidable de rentrer et de retrouver ses partenaires dans un match comme celui-ci. Oui, en effet, ouais, ça fait 3 mois que je n'avais pas remis les crampons. C'est mon premier match, donc. Et puis ça fait très plaisir de rejouer, de faire une entame comme ça, quoi, hein. Enfin, c'est une belle équipe de Pau, mais on a pris le match par le bon bout. Et on a fait un gros pressing défensif, on fait du jeu et on se régale. D'ailleurs, à la mi-temps, il y a déjà 44 points. J'espère que mes coéquipiers vont continuer à pousser pour marquer encore plus de points. Et cette blessure qui vous avait éloigné des terrains, elle va mieux ? Oui, ça va de mieux en mieux. Aujourd'hui, je suis à peu près à 80% de mes capacités. Je serai opérationnel à 100% pour le début des phases finales. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, Christophe Mauny, ancienne Toulonnais, niçois. C'est bien de rentrer dans une équipe comme ça qui prend le dessus sur son adversaire. Évidemment, ça met en confiance immédiatement, permet de s'exprimer complètement. Cliff Mitton, lui, a du mal à se relever. Qu'est-ce qu'il y a eu Thierry Cléda, lui, saigne laisse sa place à Thierry Mantière. Il a reçu un coup définitif, je crois, sur l'arcade, sur le côté. Là. Oui, et Sébastien Viars va prendre la place de Cliff Mitton. Cliff Mitton... pratiquement l'homme du match, Eric, puisque c'est un joueur qui a été déterminant en première mi-temps, qui a fait beaucoup de brèches dans la défense adverse, qui a bien joué les intervalles. Il n'est pas allé péter dans l'adversaire, mais plutôt il a pris des intervalles. Il est bien, bien. Alors que Thomas Lombard va jouer au centre, à droite, centre droit, et Sébastien Viars à l'aile gauche.
Torossian. Ocagne. Ocagne. Mentière qui venait de rentrer. Voilà, il va falloir reprendre des repères après le coaching. Agueb, voilà, c'est Albert Agueb. On retrouve, on retrouve des Palois entreprenants. Torossian, Ocagne. Ocagne joue au pied dans un angle où il n'y a strictement personne et va trouver une touche. Non, non, c'est, non, pas gâté. C'est pas dommage, il y aura une mêlée au point du coup de pied. Mais c'est vrai que toute la défense était bien organisée. Alors faisons juste le point sur le coaching. Mm-hmm. C'est Baquet qui est sorti en troisième ligne côté palois pour laisser rentrer Agueb. Voilà. Ouais, des nouvelles de Cliff Meaton, il n'y a rien de grave. Hein. Il a un petit étirement au niveau des ligaments croisés, des ligaments latéral interne du genou droit. Mais c'était plus par précaution. Hein. Là, Bernard Laporte a beau jeu de faire tourner l'effectif. Voilà, une faute. Alors que un petit pépin là au genou, mais je pense que c'est pas grave pour Cliff Meaton, il l'a dit. Allez, il y a une belle réaction des Palois, mais à 44 à 6, c'est vrai que c'est difficile de garder une totale maîtrise de gestuelle pour avancer, pour avoir de la continuité. Ça brise quand même l'harmonie d'une équipe. Deux matchs à l'extérieur où on prend plus de 40 points. Et disons que ça peut un peu comme l'équipe de France le week-end dernier. Bon, là, la chance des clubs, c'est de pouvoir jouer tous les week-ends pour essayer de se refaire une santé rapidement. Mais c'est vrai que ça use plus vite le joueur que de prendre des points. On sait que pour gagner, évidemment, il faut avoir beaucoup d'initiatives, marquer des points, mais aussi la défense a toute son importance. Pour ne pas faire des efforts trop considérables dans ce secteur-là pour récupérer des situations. Voilà, et puis bon, ce sont des fautes qui s'accumulent après parce que cette maîtrise que l'on a en gestuelle ou dans le jeu, bien, on la perd doucement. En ce qui concerne Nicolas Baquet et Thierry Cléda, ce sont pour le moment des changements temporaires hein, puisqu'ils ont tous les deux des blessures ouvertes. J'ai vu Yannick Martin aussi, Pierre, hein, qui saignait. Et Olivier Sarat est rentré apparemment. Voilà Yannick Martin là ici avec l'arcade qui a dégusté aussi. C'est un choc entre joueurs de la même équipe. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait côté parisien? On reprend son souffle des deux côtés en attendant. Christian Ploche ici qui était titulaire au match. Allez, est revenu parmi les Parisiens. Lui qui est le plus ancien d'ailleurs de cette équipe du Stade français. Sébastien Viars en profite pour galoper un peu, lui pour s'échauffer. Et le jeu devrait pouvoir reprendre avec cette pénalité que Diego Dominguez botte en touche. Diego Dominguez qui s'apprête à disputer sa troisième Coupe du Monde. On va peut-être le voir là-bas. Ouh là là, c'est vrai, entre le 3 carré Yannick Martin et Thierry Cléda. Puis-je revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça n'est évidemment pas Nicolas Baquet, mais bien Fauquet qui est sorti temporairement pour se faire soigner. Quant à Nicolas Baquet, il est rentré dans le vestiaire, visiblement pas très content d'être sorti du terrain. Peut-être content tout simplement du tableau d'affichage, vraisemblablement. Dominguez. On combine, Dominici. Oui, mais la défense était montée bien haute là. Et donc a bloqué Dominici rapidement. Regardez cette conservation du ballon permanente. Le Suic Lombard passe les bras sur Moscato, à débordement vers Saint Moscato. Il est repoussé. C'est pas terminé, c'est Poole Jones. Poole Jones qui a joué avec l'Angleterre le week-end dernier, qui a raté le Grand Chelem comme les Anglais. Et même la première équipe, l'équipe B, a perdu dans les dernières minutes contre les Gallois. Mais Poole Jones reste en réserve de l'équipe d'Angleterre et ne désespère pas de faire partie du groupe anglais pour la Coupe du Monde. Lui qui avait fait la tournée en Australie l'an dernier avec cette équipe d'Angleterre si particulière puisqu'il y manquait tous les titulaires. Mais beaucoup de jeunes, c'est vrai que tout le monde ne connaissait pas tous les joueurs qui étaient là pour la première fois alors que Vincent Moscato était très proche d'aller marquer un nouvel essai. Mais la défense était là à veiller. Laurent Arbault qui l'a bien pris, heureusement. Là, il ne faut pas se décourager. Hein. Même si on est un 3 carré, là, il faut plaquer le joueur que l'on a en face. Là, c'est en l'occurrence un talonneur.
Occasion d'un sixième essai parisien sur ce lancer à 5 mètres de la ligne, capté par Oradou. Encore une fois, Oradou qui a fait la plupart de la moisson pour les Parisiens. Losuc, Dominguez, Lombard. Qui a perdu le ballon. Eh oui, perdu le ballon sur l'impact du plaquage. Récupération Laguarde et tout le pack palois. Torossian. Ah, ils vont tenter, ils tentent là. Oui, mais là, c'était osé. Finalement, Payet a tapé directement dans les bras de Gomez. Arthur Gomez à la relance, qui est repris par Ocagne. Voilà, il est revenu au milieu du terrain pour retrouver du soutien. Mais les palois étaient présents plus rapidement. Regardez la pression. Et... Oh, le suc sur le fermé. Paul Jones. Dominguez. Sauté pour Franck Comba. Comba à suivre. Contré. Et ballon qui file en touche. C'est la variété du jeu parisien où on essaie d'insister devant, garder le ballon. Et puis avec Diego Dominguez derrière et Franck Comba. Mais il y a beaucoup de sautés. Hein. On fait jouer Miton dans l'axe profond. Alors qu'avec Franck Comba, ben, on essaie de jouer plutôt un contournement. C'est une belle complémentarité. Et il faut savoir qu'il y a aussi Richard Dourte. Hein. Oui. Olivier Sarat. Qui fête ses 23 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il n'est pas à la fête, le pauvre, il est rentré à la place de Yannick Martin. Dans un match à sens unique. Alors David Laperne va laisser sa place à Sébastien Briat. Quant à Yannick Martin et Thierry Cléda, eh bien pour eux le match est terminé, ils ne reviendront pas sur la pelouse. Bien, coaching en première ligne donc, avec le retour de Sébastien Briat qui a souffert d'une hernie discale et qui a dû se soigner de longues semaines avant de reprendre sa place. Regardez ce ballon qui met en difficulté Torossian. Les Palois jouent en reculant. Ils parviennent quand même à se dégager par Christophe Payet. Formé à Oloron-Sainte-Marie. Beaucoup de joueurs qui sont sortis d'Oloron et qui sont passés par Pau et même qui sont dans d'autres clubs français donc comme Bègle. C'est vrai qu'il y a une belle école de rugby à Oloron. On sent la porte moins tendue qu'il y a une heure. Et pour cause, le tableau d'affichage est là pour le tranquilliser. Oui, avec Oradou qui est le principal pourvoyeur de ballon en touche. Chafardon aussi au milieu, mais là, ça a changé. Le nouveau venu dans l'alignement parisien, Losuc, Dominguez. Sauté pour Comba. Comba s'engage, Comba sprint, passe, non. Une cuillère de Max l'a déséquilibré. Sébastien Viard maintenant poussé en touche. Vous voyez la complémentarité avec les trois quarts centres. Là, c'est Thomas Lombard qui joue au centre avec Franck Comba. Et le danger, c'est qu'il peut venir très près du numéro 10 ou plus au large avec Franck Comba, là, qui a été repris par une cuillère. Regardez la belle cuillère qui déséquilibre Franck Comba. C'est encore un mouvement dangereux des Parisiens, mais ils sont en pleine confiance. Ils sont en pleine confiance, ces joueurs de la capitale. Oula, Radou s'est élevé dans les ciels bien avant le lancer de Joël Rey. Oui. Coup franc pour les Palois. Torossian, Ocagne, Mats. La puissance de l'Australien n'a pas fait trembler la défense parisienne. Rollès toujours aussi actif. Charge de Thierry Mantière maintenant. Briat sur la ligne médiane. Torossian, Agueb. Pas de brèche, les Palois au Cagne. Ah voilà, lancé Arbo, sprint de Laurent Arbo qui cherche du soutien, il le trouve. Max aussitôt Sarat. Sarat face à Viars, cherche du monde à l'intérieur. Interception parisienne de Christophe Dominici qui met le pied en touche. Voilà une belle action paloise. Voilà une belle action qui est venue parce que Laurent Arbo est arrivé dans l'intervalle en changeant de rythme, en ayant une accélération qui a permis de surprendre tout le monde. On revoit, on feinte vers le large et on donne au ras. Laura Arbo qui cherche le soutien et Matt qui a bien fait un rôle de pivot pour son 3 carrés par la suite. Seulement, les Parisiens en pleine confiance sont revenus en soutien. Oui, mais Philippe, ça ne s'arrange pas pour les Palois puisque un nouveau joueur blessé, je me demande si ce n'est pas Laurent Arbo d'ailleurs. Non, il a repris sa place. C'est peut-être Sarah qui vient de rentrer juste. On demande le changement pour l'ailier palois. Olivier Sarat. Oui, absolument, c'est Olivier Sarat. Et on a demandé à Christophe Payet. Ou à Passikos, pardon. Christophe Passikos. Ouf, là, c'est un demi de mêlée, là, ils ont
Vous parlez d'un anniversaire, le pauvre Olivier Sarrat, c'est 23 ans. On va pas garder un bon souvenir. Ouais, finalement, on se ravise du côté de Pau. Il n'est pas impossible qu'on fasse... on hésite, hein. Soit on fait revenir Yannick Martin sur la pelouse avec sa blessure, soit Christophe Passikos, mais je crois qu'on va choisir la sagesse et faire rentrer Passikos, un homme frais. Un homme frais. Voilà, c'est fait. Mais un demi de mêlée qui va donc rentrer à la place de l'ailier Olivier Sarrat. Ben, journée noire pour la section paloise. Qui aura perdu le match, beaucoup d'illusions et pas mal de joueurs. Vignolo. Pénalité pour les Palois face au poteau. Voilà, un hors-jeu des Parisiens sur le groupement qui arrive sur le côté, donc qui gêne l'organisation paloise. Et c'est David Ocagne qui va se rapprocher pour amener le ballon très près de la ligne de but adverse. Ce qu'il fait. Je vous rappelle que si vous voulez donner une note à ce match, vous pouvez taper sur votre Minitel 3615, code CPLUS. La ligne des 5 mètres. Voilà des occasions de marquer des essais, on le voit très souvent dans le championnat, mais même au niveau international. Arriver très près de la ligne de but adverse, bon, mais il faut avoir tous les moyens de marquer. Oui, mais il faut assurer de lancer les conquêtes en touche, ça n'a pas été le cas. Oui, avec une déviation qui est allée vers le camp adverse d'un premier sauteur palois, récupéré par un autre palois derrière. Et donc, ça fait une mêlée pour les Parisiens, en avant des palois sur cette touche. Elle est mêlée un peu chaude là, même si l'introduction est pour les Parisiens. La mêlée qui a du mal à se stabiliser. On n'a pas l'impression de voir dans le coin gauche de l'écran là, un score de top 16 tant celui-ci est déséquilibré. Et pourtant, vous avez là deux équipes qui sont aussi en demi-finale de la Coupe de France. Vous avez la section paloise qui récemment a gagné le Challenge Yves du Manoir, qui était en Coupe d'Europe encore la saison dernière, qui avait gagné ses deux premiers matchs de championnat du top 16. Et qui tire vraiment la langue aujourd'hui pour suivre le rythme imposé par le Stade français CASG. Eric. Nette victoire, nette défaite à Narbonne et puis nette défaite ici sur le stade de Jean Bouin. Oui Pierre. Ouais, on va demander à Thierry Cléda. Thierry, comment justement vous expliquez que votre équipe aujourd'hui ait tant de mal à jouer face au Stade français? On a simplement raté les occasions qu'on avait eues de marquer des essais ou des points. Eux, on leur a rendu trop de ballons pour qu'on puisse endiguer leurs assauts. Et à chaque fois qu'on leur a rendu les ballons dont on était possesseur au départ, et ils ont réussi à marquer les essais à chaque fois. Bon, la blessure, rien de grave? Non, c'est juste superficiel, une arcade. C'est tous les 15 jours comme ça, donc c'est pas grave. Merci Thierry. Dominguez lance combat. Combat pour Arthur Gomez. Hop, il est tombé. Ballon toujours parisien. Oui. Alors il y a eu du coaching avec la sortie de Christophe Juillet remplacé par Xavier Blond, ancien champion de France avec le Racing. En deuxième ligne, Bernard Laporte sagement fait souffler les internationaux, fait sortir Oradou et rentrer le néo-zélandais Darren George. Puisque de toute façon, question morale, c'est revenu avec la belle performance sur la pelouse aujourd'hui. Ah, ça c'est clair. Ouais. Introduction Christophe Lossuc. Hop, hop, hop. Pénalité contre les Parisiens. Il n'y a pas eu beaucoup de mêlées aujourd'hui. On change du match aller. Ah. Et vous parliez à l'instant de Christophe Juillet qui retrouvait la confiance aussi une semaine après la désillusion de l'équipe de France. Et à l'instant, il vient de se pencher vers moi et me dit « ça fait du bien, non ?» Vous pouvez lui demander une petite réaction, hein, puisqu'en plus, il y a un petit arrêt de jeu. Bien sûr, il est en train de se désaltérer, alors on va lui demander immédiatement. On va faire ça en direct. Christophe, tout à l'heure, je vous entendais dire, ça fait du bien d'en venir dans un match comme ça. C'est vrai que c'est très important, juste une semaine après la désillusion de l'équipe de France, d'être aussi fort avec son club. Mais disons que ça fait quelques semaines qu'on galère un petit peu. C'est vrai qu'on était dans une spirale de défaite. Et marquer autant de points, c'est vrai que pour le moral, ça fait vraiment du bien. C'est vrai que physiquement... on est un petit peu au ralenti, c'est physique, quoi. Mais moralement, on est au top. Merci beaucoup. Le moral, on ça y fait autant. Beaucoup. On ne dira pas autant, malheureusement, pour les internationaux palois. C'est vrai que
dès qu'il y a une victoire, la dynamique est différente et le mental, c'est un élément important. On laisse la garde. Mais le ballon a été perdu. Et le contre-parisien, Losuc, domine ici sur le fermé. Ça a été le mal de peau dans ce match. Trop de ballons perdus, rendus à l'adversaire. 10 ballons rendus à l'adversaire pour les Palois. Ça fait vraiment beaucoup trop pour espérer les inquiéter. On sait que maintenant, ils ne peuvent plus gagner, mais c'est au moins les inquiéter, revenir au score, essayer de soigner le goal average. Ça fait beaucoup, 10 ballons. Rolles, Torossian. Oh, les passes sont pas assurées. Ils bafouillent leur rugby aujourd'hui, les Palois. Eux qui ont été régulièrement ces dernières saisons l'une des équipes françaises les plus agréables à regarder jouer, avec un jeu bien léché. On a vu des très bons matchs à Pau cette saison encore. La houlette de Jean-Michel Aguirre, de Maurice Lesgourgues, qui ont succédé à Jean-Louis Luneau, à Francis Letta. En Coupe d'Europe aujourd'hui, aussi, ils avaient fait de très belles prestations. Ce qu'on pourra se demander, et ce qu'on peut-être on demandera dans les vestiaires à la fin du match, c'est si cette défaite ne va pas laisser des traces autrement que physiques, mais morales aussi, parce que 39-5 à Narbonne, 44 points pour l'instant à Paris. Ensuite, il faut se déplacer à Colomiers avant de recevoir Narbonne au stade du Hameau pour la dernière journée. Vous savez, les matchs se suivent, se ressemblent pas toujours. Là, peut-être dans ce cas, mais avec les deux derniers matchs, Pau va jouer un 16e, un 8e de finale. Un à l'extérieur, un à domicile, donc peut-être qu'ils vont tout miser, certainement, sur ces deux dernières rencontres. Et notamment ce déplacement à Colomiers la semaine prochaine. Mais toutes ces deux équipes vont suivre avec attention le résultat de Colomiers-Narbonne demain, avec des Narbonnais qui veulent effacer leur défaite à domicile du match aller en allant s'imposer à Colomiers, qui remettrait tout à plat dans cette poule 2. Lancé Joël Ray, capté par Mantière, Torossian, Ocagne. Ocagne en combine avec Mats, Jason Mats, plaqué. Voilà, libération pour encore Franck Rolles qui est là, le premier en soutien. Et regardez le nombre de Parisiens qui sont arrivés en soutien plus rapidement que les Palois. Et c'est un nouveau ballon récupéré. Losuc, Dominguez, Dominguez intérieur, charge de Philippe Gembert. Losuc cette fois pour Xavier Blon qui s'arrache pour rentrer dans les 22 Palois. Oui, parce qu'on bataille un petit peu pour récupérer le ballon. Et monsieur l'arbitre, lui, indique qu'il y avait un hors-jeu au départ de l'action. Des nouvelles d'Olivier Sarat, eh bien, elles ne sont pas bonnes. C'est une entorse. Oui, c'est une entorse du genou latéral interne. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, l'infirmerie paloise. Oui, se remplit sérieusement. Alors que Diego Dominguez trouve une touche. Ça, c'est certainement le plus inquiétant pour les entraîneurs, de voir tous ces joueurs blessés. Pierre, juste une vérification. Bernard Laporte doit continuer, je pense, à faire souffler les internationaux après les avoir bien relancés. Marconnet a dû sortir puisque j'aperçois Serge Simon. Oui, absolument, tout à l'heure. Pendant l'interview de Thierry Cléda, oui, me semble-t-il, il a pris la place c'est bien difficile de Sylvain Marconnet. De tout suivre à la fois, mais voilà, c'est prudent. Hein. Juillet, Moni, Oradou, Marconnet sont sortis côté parisien. Et le changement de Newton qu'on peut qualifier aussi de coaching, hein, parce que c'était vraiment une blessure très très légère. Dominguez, Lombard, qui joue donc centre depuis quelques minutes. Et qui s'est révélé à ce poste-là en tout début de saison. Il conserve bien le ballon, les Parisiens. Dominguez, qui zigzague un peu, il est bien repris par Mats. Ouais. Il avait fait un petit en avant là sur le plaquage, mais c'est un très bon plaquage, puisque le troisième ligne, Agueb avait réussi à positionner Dominguez dans son camp. On le voit là, un bon plaquage, regardez. Et là, c'est Diego Dominguez qui est ennuyé. Il pourrait pratiquement y avoir même une pénalité, puisque l'espace d'une deux secondes, Diego a essayé de remettre le ballon dans son camp. Là, ils ont tenté de fermer avec Rolles à Gueb maintenant. Ocagne. Allez, c'est tenté. Ocagne, là il est passé. David Ocagne. Intérieur Passicos, ballon qui revient un peu par hasard dans les bras d'Ocagne, mais il y en a un en avant.
des petites hésitations à la réception. C'est dommage parce qu'il y a eu un beau mouvement lancé par David Ocagne. Regardez, hop, voilà, et ça, il regarde extérieur, intérieur, il voit le soutien. Il y avait un bon pivot qui était préparé ici par Christophe Payet, mais il n'a pas vu le défenseur derrière lui. Départ de Xavier Blon. Au ras de la mêlée, il est mis au sol. Dominguez, regardez, bien Lombard, qui passe son ballon à Simon, relais de Poul Jones, maladresse. Juste. Heureusement, c'est Laurent Arbeau qui fait un petit en avant, mais regardez, Thomas Lombard qui essaie de faire vivre le ballon, même après le plaquage. Et Serge Simon qui est venu aussi jouer au ballon avec Richard Poul Jones. Le lien avant trois quarts en permanence. Et Laurent Arbeau avait bien anticipé sur la passe. Changement du côté du Stade français. Coaching toujours. Philippe Jambert a laissé sa place à Laurent Pedroza au poste de pilier droit, me semble-t-il. Et bien voilà, tout est fait. Je crois que pratiquement tout le monde est rentré côté parisien, à part Ludovic Lousteau. Voilà Xavier Blon. Et les Palois hein, qui n'ont pour tout point que ces deux pénalités de David Ocagne en début de première période. C'est ça, hein, quand on est prêt de marquer, il faut marquer absolument, ce qu'a pas réussi à faire Pau au début du match. Et puis petit à petit, c'est le Stade français à l'inverse qui a réussi à pointer dès qu'ils ont eu l'occasion. Et donc le score s'est vite amplifié pour le Stade français. Ces deux essais d'entrée en deuxième période. Où ça a été le coup dur, le principal coup dur. Assommer définitivement les Palois. Qui tente quand même de remonter le ballon, même si là le relais s'est refoulé. Ocagne oublie le ballon. Payet après d'un avant, Fouquet, pardon. Torossian. Allez. Ocagne. Bien. Mats, Jason Mats. Retrouve le soutien de Laguarde. Les Palois sont revenus légèrement dans le camp parisien. On tarde à extraire ce ballon, c'est fait. Ocagne. Oh. Interception de Dominguez. Interception, il poursuit au pied. Il y a quand même deux Palois qui, s'ils ne se gênent pas, vont sauver la situation. Arbeau s'est couché, il faut qu'il relâche le ballon, s'il ne va pas prendre une pénalité. Pénalité, non, cette fois, contre les Parisiens. Oui, contre les Parisiens, parce qu'ils sont allés dans le camp adverse pour essayer de récupérer le ballon. Tout le monde n'est pas d'accord ici, mais monsieur l'arbitre était bien placé. Mads, Rolles, Pasikos, pas mal fait ça pour Christophe Payet, qui va essayer de déborder combat. Il est poussé en touche. Mais il y a un rideau défensif permanent parisien. Hein. Il y avait encore Chafardon qui était là, qui avait franc combat. Et encore un peu plus loin, Christophe Loussuc. Alors que mais le diable de Diego Dominguez était encore là pour intercepter un ballon. Voilà, c'est Diego Dominguez aussi là qui a essayé de faire le tour pour récupérer le ballon. Voilà, et encore lui qui était là pour intercepter ce ballon avec une mésentente entre deux Palois sur cette dernière action. C'est le 8e international parisien qui a été battu le week-end dernier, mais vous l'avez vu à la mi-temps dans le journal du rugby, de fort peu en Irlande, avec cette équipe d'Italie qui aura un double rendez-vous important au mois de juin pour préparer la Coupe du Monde avec deux tests en Afrique du Sud face aux champions du monde en titre. Hervé Chafardon qui souffle, lancé Vincent Moscato. Vous voyez les plaquages, 14 ratés pour Pau alors qu'il n'y en a que 6 côté Stade français. Ça explique surtout toutes ces initiatives qui sont allées à Dame, qui sont allées derrière la ligne, encore là une fois, où les Parisiens ont un temps d'avance sur toutes les offensives. Se régale derrière les Parisiens. Le soleil est là. Ils en profitent. Ah, petite maladresse. Ça leur arrive aussi. On va en profiter, Philippe, pour envoyer un clin d'œil amical à un trois-quarts centre international français de l'année 1977 qui a eu un grave accident de voiture cette semaine. C'est François Sangali. On sait qu'il est rentré chez lui, qui doit regarder ce match. Petit clin d'œil, lui qui jouait dans cette équipe du Grand Chelem 77 où l'entraîneur palois Jean-Michel Aguirre était à l'arrière. Torossian. Dégagement de Fouquet.
qui trouve la touche pratiquement sur la ligne des 50. Il y a eu beaucoup de grands centres du côté de Narbonne. Oui. Il y a eu Mousse, Sangali, Mazo, ouais. Compagnie. Alors, espérons qu'il soit vite remis sur pied, qu'on le revoit autour des matchs internationaux, notamment avec les Barbariens aussi. Oui, quand il est l'un des membres éminents. Allez, Moscato. Avec monsieur le maire, oui. Jean Tibéri. Ophélie Winter, je crois qu'elle devait partir à la mi-temps. Ça a dû lui plaire puisqu'elle est restée, malgré une répétition ce soir pour son prochain spectacle. Dominici Pers. Serre combat extérieur Gomez. Franck combat, il va y aller tout seul. Il marque. Le sixième essai du Stade français. Inscrit par Franck combat. Ça va lui faire du bien au moral à lui aussi. Et oui, tous les internationaux de cette équipe parisienne vont pouvoir ce soir boire une petite bière ensemble parce que après ce qui s'est passé la semaine prochaine, au moins ils auront vite retrouvé le moral. Il vaut mieux être dans l'équipe qui gagne rapidement, le plus rapidement possible. Encore une fois, on voit ici Christophe Dominici qui passe un, deux défenseurs qui remet à Franck combat. Il navigue dans la défense adverse. Et il y a beaucoup trop de plaquages manqués côté palois aujourd'hui. 17 plaquages manqués. 19, ça fait vraiment beaucoup. 3 essais en première mi-temps, 3 essais en deuxième mi-temps, Philippe. Regarde comme il porte bien le ballon. Il essaie de rentrer à chaque fois dans la défense. Il ne court pas en travers, il ne voit que la ligne. Dédé soutient à droite et à gauche. Mais l'importance du porter du ballon à deux mêmes pour essayer d'attirer l'adversaire d'un côté et de l'autre. D'avoir aussi la tête. Ouh là là, regardez Diego Dominguez qui a réussi 7 coups de pied sur 7. Alors 8 sur 8 peut-être. Ah non. Il faut bien une exception pour confirmer la règle. On va pas lui en vouloir. 49 à 6. Oui, c'est le score ici à Jean Bouin. Entre le Stade français, CASG et la section paloise. Cela veut dire que si à la fin du top 16, les deux équipes sont à égalité de points et qu'il n'y ait pas de joueurs suspendus, eh bien de toute façon, le Stade français sera devant Pau qui n'avait gagné que de 3 points au match aller. Eric, oui, Pierre. Vous parliez tout à l'heure d'un trois quarts centre nommé François Sangali. Mais moi, j'en ai retrouvé un autre nommé Richard Dourt et qui soigne son épaule. Comment ça va, comment Richard d'abord ? Comment allez-vous ? Dit Eric Bail. Ça va très très bien. Tout est consolidé. Maintenant, il ne reste plus qu'une dizaine de jours à peu près pour récupérer la musculature. Et puis, je pourrai rejouer sûrement contre Colomiers, peut-être contre Narbonne. Bon, j'imagine que votre équipe, elle vous fait plaisir quand vous la voyez comme ça aussi brillante. Oui, elle me fait très plaisir puisque ça fait 49 points à Pau, c'est pas donné à tout le monde. Mais je peux vous dire aussi que ça va être très difficile de récupérer une place dans ce staff parce que bon, qui sortir quand on met une telle démonstration, je dirais, à Pau. Parce que bon, c'est vrai qu'on a eu des difficultés au départ, au début du match, mais après on a vite repris le dessus, un petit peu en mêlée, puis surtout dans le jeu de mouvement. Et je crois que c'est très bien parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Eh bien, que l'on va revoir avec plaisir très bientôt pour renforcer ces lignes arrières parisiennes, puisque de toute façon, le secret d'une équipe aujourd'hui n'est pas sur les 15 titulaires, mais bel et bien sur les 22 de la feuille de match. Et que Bernard Laporte, s'il a l'embarras du choix avec Pierre Trémouille, ben l'embarras du choix, c'est toujours une bonne chose pour un entraîneur. Les trois dernières minutes avec les arrêts de jeu, je pense que Joël Dumay aura la délicatesse de ne pas prolonger le supplice palois, même si les palois vont peut-être sur ce ballon porté essayer de sauver l'honneur. Regardez le molle, le groupe est pénétrant qui va passer la ligne. Oui, si c'est essayé. Oui. Voilà, Joël Rey a eu un geste quand même. Il a raison de fierté. Il a raison parce que c'est vrai que Pau vaut mieux que ça. Et sur l'ensemble du match, on ne les a pas vus suffisamment liés comme sur ce mouvement-là. Regardez, comme sur la prise de balle. Mais tous les joueurs sont venus sur le porteur du ballon, consolider ce groupé pénétrant, désaxé, accéléré par la suite pour que le porteur du ballon aille jusque derrière la ligne de but. Alors, à qui attribuer cet essai, Philippe ? À Joël Rey ou à Thierry Mantière ? C'est Joël Rey. Ouf, oui. Oui, c'est Joël Rey. Ouais. Le capitaine palois. Alors, la transformation que va tenter David Ocagne va mettre un tout petit peu de baume au cœur hein,
des supporters de la section. Ça passe, ça. Ouais, c'est bien parti. Entre les barres, 49 à 13. Dans les dernières secondes maintenant de ce premier match retour du top 16. Qui aura vu en fait le retour au premier plan de l'équipe championne de France, le Stade français CSG. Il avait fait un bon match ici déjà hein, contre Narbonne, mais qui n'a pas encore réussi à attraper un résultat à l'extérieur. Battu à Pau, battu à Pau de 3 points, à Colomiers de 2 points seulement. C'est donc à Narbonne la semaine prochaine que les Parisiens essaieront d'aller décrocher la victoire à l'extérieur. Mais vous en doutez bien que les Narbonnais ne sont pas du tout de cet avis. Eux qui avaient d'ailleurs battu les Parisiens bien lors bien de la première phase. Avec un grand match de rugby de leur part. Hein. Hop, alors qu'il y a encore un blessé peut-être côté palois. Les Parisiens font signe. C'est Bria, le pilier qui est rentré tout à l'heure en cours de jeu. Il est touché au coude. Temps réglementaire terminé. Et il faudrait que la... C'est l'hécatombe, oui, quoi. Que l'hécatombe s'arrête côté palois aussi. Parce que ça va hypothéquer quand même largement la suite. Ah, et c'est la fin du match. Le monsieur arbitre a annoncé la fin du match. Avec une autre tentée par Serge Simon. Oui. Allez, c'est vrai que pour les palois... Il ne fallait pas mettre beaucoup d'arrêts de jeu. 49 à 13, c'est la deuxième victoire du Stade français dans ce top 16 et la deuxième défaite des Palois. Point commun entre les deux équipes, deux victoires chacune à domicile, aucune victoire à l'extérieur. Pour l'instant, Colomiers est toujours l'équipe la mieux placée dans cette poule, à condition de battre Narbonne au Stade du Céleri demain. Nous avons un petit quart d'heure pour analyser ce match dans les vestiaires de Jean Bouin, où trône toujours donc ce bouclier de Vrenus qu'il faudra aller arracher aux Parisiens cette saison encore. Ça nous promet des phases de finale passionnantes. Pierre Buet va aller d'abord dans le couloir pour échapper aux supporters, pour analyser tranquillement ce match. 6 essais palois, parisiens, un essai palois en toute fin de match. Et le sourire revenu sur les visages des Parisiens. Comme ici, Diego Dominguez, leur capitaine. L'équipe de l'arrière, l'équipe... Arrête! Un beau travelling sur le sourire de Diego. Oui, Pierre. Oui, je suis à côté de David Ocagne. Alors, on n'a pas de caméra pour le moment avec nous, mais c'est pas grave. On va raccompagner David dans son vestiaire. David, comment je vous ai aperçu tout à l'heure, manquant une réception de balle sur une passe de Frédéric Torossian? Vous aviez le visage sombre, un peu cherchant la confiance perdue. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match pour que vous ayez autant de difficultés face au Stade français? Je crois qu'on est un peu. Comment dire, on manque un peu d'huile dans le moteur. Quoi. On fait des bonnes choses, mais c'est trop aléatoire un peu. Et c'est vrai qu'on manque un peu de confiance petit à petit dans le match. Et bon, on est tombé sur une équipe du Stade français très performante. Et bon, voilà quoi, je crois qu'il faut. Il faut qu'on continue à travailler et plus sereinement et plus. Peut-être plus pointilleux pour arriver à faire des gros trucs et qu'on soit un peu plus aussi conscient qu'on représente la région paloise et qu'il faut aller de l'avant. Quoi. Alors j'allais vous dire, c'est plus rassurant de remporter une si belle victoire pour le Stade français, mais pour vous, une semaine après votre désillusion face à l'Écosse, comment vous vivez ces instants, cette défaite aujourd'hui, puis la semaine qui est passée? Très difficile, je crois. Comme tout le monde, on repense à toutes ces actions qu'on a pu faire, qu'on a pu manquer. Je crois que c'est dur. On essaye d'évacuer, les copains nous aident à évacuer la pression qu'on a eue pendant toute la semaine dernière. Et c'est pas évident. Enfin, bon, je crois que c'est la vie, hein. Il faut passer par là peut-être pour évoluer, avancer encore. Donc on va se resserrer et puis continuer à travailler. Merci beaucoup David, récupérez bien. Merci Pierre, vous pouvez vous diriger vers un vestiaire où on est... plutôt souriant, ben vous voilà, merci. Le vestiaire du Stade français. Et après on verra les essais du match, on verra le geste du match sélectionné par Philippe aussi. Christophe Juillet est déjà passé sous la douche lui, pas perdu de temps. Le devoir accompli pour les Parisiens. C'est une joie modérée des sourires. De la part des Parisiens, parce que ce n'est pas terminé, il reste encore deux journées. Il va falloir qu'ils accrochent une victoire à l'extérieur. Hein. Oui, oui.
s'ils veulent finir premier. Max Guazzini soulagé. Monsieur le maire qui va dans le vestiaire des Parisiens avec Max Guazzini. Alors Pierre, avec Bernard Laporte. Avec Bernard. Bernard, on parlait de confiance toute la semaine. Vous avez gardé vos joueurs, j'allais dire, bien au chaud, proche de vous, et le plus serré, plus solidaire possible. Ça a marché. Oui, ça a marché. Vous savez, je crois que le rugby appartient trop aux joueurs pour, essayer, pour nous essayer de s'accaparer, les coachs, les entraîneurs, les dirigeants. Je crois que la vérité, elle est sur le pré, elle sera toujours sur le pré. Et aujourd'hui, on entend dire cette équipe joue bien, elle joue pas bien. Et je leur ai dit, attendez, mais vous êtes les mêmes, sauf que maintenant, vous avez peut-être quelques doutes dans la tête, dû certainement aux défaites de l'équipe de France, puisqu'on en avait quand même 7 qui avaient fini la dernière demi-heure contre les Écossais. Mais donc, c'est pour ça que j'ai tenu absolument à revoir France-Écosse et à leur dire, mais attendez, mais vous n'êtes pas devenus nuls, sauf que vous n'y êtes plus, quoi. Vous rentrez sur le terrain parce qu'il faut rentrer, parce qu'il faut jouer, mais vous n'êtes plus vous-même, quoi. Donc, je crois qu'ils ont compris le message, tout simplement. Je leur ai dit, vous savez, le rugby, on a besoin de deux techniciens, pardon, sur le terrain, et les 13 autres doivent faire ailler, quoi. Parce que si tout le monde commence à dire comment il faut jouer, mais malheureusement, on a beaucoup de calculateurs, mais on n'a pas beaucoup de... On n'a pas assez d'apprentis. Donc là, aujourd'hui, on a retrouvé cette défense, cette envie d'aller chercher l'adversaire chez lui, de l'empêcher de franchir cette fameuse ligne d'avantage. Donc ensuite, je crois qu'on a toujours su jouer au rugby. On joue aussi bien cette année que l'année dernière. À partir du moment où on retrouve cette vertu, une bonne mêlée, une défense qui va chercher l'adversaire haut, ben, le match ne ressemble plus à un autre. Mais bon, vous savez, il ne faut pas... Ne nous emballons pas. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Retravaillons sur nos fondamentaux. Appliquons ce que nous savons faire et je pense que nous serons une équipe difficile à manœuvrer. Oui, c'est ce que j'allais vous dire justement. Il y aura des matchs à l'extérieur à jouer très prochainement. Il faudra essayer de reproduire ce même type de match, celui qu'on a vu aujourd'hui. Mais c'est ça l'élite. Je crois qu'effectivement, si on peut dire que physiquement on est peut-être un peu moins bien que l'an dernier, dû au fait d'une longue saison et de beaucoup d'internationaux qui sont passés entre l'équipe de France A et l'équipe de France, un mental un petit peu émoussé, un enthousiasme un peu... qui a un peu fui, donc il faut retrouver tout ça et essayer de reproduire ce genre de match à l'extérieur. Mais ça, c'est le haut niveau, je crois que c'est ce que l'on demande, et c'est à travers des matchs de haut niveau que les joueurs progressent et que les joueurs en plus, ensuite sont performants pour l'équipe de France. Et le contraire ne sera jamais possible. Merci beaucoup Bernard. La note du match, tiens, peut-être pour sanctionner ce 49 à 13, 13,20, c'est légèrement mieux que le score des Palois aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était un match plaisant, même si il y a manqué largement le suspense. Madame la ministre fait le tour du vestiaire. Le geste du match que vous avez sélectionné, Philippe, cet après-midi. Oui, c'était en première mi-temps, donc c'est une action des Palois où donc Yannick Martin... est venu donc après donc la passe là, voilà, il est là, un beau cadrage débordement sur monsieur Lombard, ce qui n'est pas la moindre des choses. Donc Yannick Martin qui a réussi à faire des gestes qu'on aime beaucoup sur le terrain de rugby, se sont tous écrochés, avoir le dynamisme pour pouvoir rentrer, ressortir, prendre les espaces libres. Donc bravo aux trois carrels de Pau. C'était le bon début de match des Palois. Après, ça s'est gâté. Pierre. Oui, Christophe Dominici est à mes côtés. Christophe, comment vous avez vécu ce match, j'allais dire physiquement, mais aussi moralement? Non, je crois qu'on s'était très bien préparé physiquement et moralement. Je crois qu'on avait à cœur de faire une très très bonne performance, déjà pour le groupe. Que ça faisait un petit moment qu'on n'était pas trop performant avec deux défaites à l'extérieur, de très peu mais des défaites qu'on était parti pour gagner. Donc je crois que ça fait un très 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 grand bien au moral et je crois aux troupes. Alors les gars sont contents ce soir. Alors toute la semaine on a dit après le match contre l'Écosse que vous aviez été un de ceux qui avait été le plus performant, qu'on sentait le plus en forme. Est-ce que votre approche ici, toute cette semaine avec votre club, a été différente par rapport aux camarades qui étaient avec vous en équipe de France, qu'on a senti un petit peu moins bien? Est-ce que vous étiez là comme, je sais pas, peut-être comme un catalyseur d'énergie pour vos camarades qui étaient un peu moins en forme que vous? Non, je sais pas. J'ai passé 3 mois blessé, donc c'est vrai que j'ai pu me ressourcer moralement et physiquement. J'ai des copains aujourd'hui que ça fait 15 ou 20, 25, 30 matchs qu'ils enchaînent, qui sont très 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 fatigués. Donc j'essaie, c'est vrai, de leur donner un peu plus du moral, pas de l'énergie ou pas du physique, mais au moins d'essayer de les ressourcer mentalement. Et je crois qu'aujourd'hui on a fait une très très bonne performance et ça va faire un bien énorme à cette équipe qui en avait énormément besoin. Alors on va continuer, merci beaucoup Christophe, on va continuer avec Thomas Lombard qui est à mes côtés. Attends, j'ai un petit problème de micro, je vais vérifier, voilà, ça va beaucoup mieux. Thomas, on parlait de confiance, de morale. Ce match aujourd'hui face à Pau aussi, avec une victoire aussi nette, vous pensez que c'est un tremplin important pour la suite de la saison? De toute façon, c'était un match qu'il fallait à tout prix gagner, puisque si on perdait aujourd'hui, on était quasiment certain de ne pas se qualifier. Donc
Aujourd'hui, on a fait un pas de plus vers la qualification. Enfin, il reste deux matchs. Je crois que l'ambition du Stade français au départ, c'était de terminer premier de cette poule. C'est loin d'être fait aujourd'hui, malheureusement. On va voir ce que le Narbonne fait à Colomiers. Et à partir de là, on pourra envisager l'avenir peut-être plus sereinement. Ou alors, il va encore falloir essayer d'aller chercher une victoire à l'extérieur, à savoir à Narbonne, puisque c'est le dernier placement qui nous reste. Alors, quand on parle d'un international qui rentre dans son club, usé moralement et physiquement, ça se traduit comment exactement? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de morale, etc., toute la semaine, et de confiance. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain, avec ses partenaires, etc.? Mais c'est difficile, il faut se servir beaucoup des partenaires, de l'enthousiasme qu'ils peuvent nous apporter. Je pense à l'image notamment d'un Christophe Dominici ou d'un Cliff Meaton qui font toujours avancer l'équipe, qui donnent toujours de l'avant. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nous parce qu'on commet des petites fautes, on est fatigué, on a du mal à récupérer. Donc je crois que cette connivence qu'on peut avoir les uns envers les autres sur le terrain est très utile et nous permet justement de franchir ces étapes avec plus de facilité. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci Pierre. On va jeter un coup d'œil tout de suite sur le classement de cette poule 2 pour classement provisoire bien sûr, puisque Colomiers et Narbonne s'affrontent demain. Mais regardez, si jamais Narbonne gagne à Colomiers, tout le monde aura 8 points. Si Colomiers bat Narbonne, Colomiers aura 10 points, sera seul en tête et pratiquement assuré de sa qualification. Pour les Narbonnais, ce sera quasiment terminé. Mais en tout cas, les Palois, malgré cette large défaite, gardent bien sûr la possibilité de se qualifier. Philippe, je vous propose de revoir avec François-Charles Bidot tous les essais qui ont été marqués au cours de ce match. 7, si l'on a bien compté. Allez, on attaque par le premier des Parisiens. Voilà, avec des joueurs qui sont venus en faux au milieu de l'attaque. Et c'est Cliff Meaton qui en profite au large. Ensuite, ça rejoue encore vers le large. Et là, c'est Franck Comba qui donne à Arthur Gomez dans l'intervalle. Arthur Gomez qui était venu bien lancer en bout de ligne pratiquement. Sur un ballon précédemment perdu par les Valois. Voilà. Ballon de récupération. Il y a encore un autre ballon de récupération là, sur un ballon lâché par le trois quarts centre Parlois. Il y a trois Parisiens au point de chute du ballon. Et c'est Franck Comba qui marque. Donc l'opportunité des Parisiens, la pression aussi des Parisiens pour gêner les adversaires. Ça c'est les trois essais de la première mi-temps, voici les trois de la deuxième mi-temps maintenant, d'entrée de jeu. Voilà où on voit des plaquages manqués côté palois et ce ballon qui est toujours conservé par les Parisiens et ça rejoue au même sens. Et vous voyez avec des soutiens à chaque fois de la part des Parisiens. Et là c'est Christophe Dominici qui s'est aidé beaucoup de ses mêmes pour mettre des raffus. Il y a encore un autre contre donc... Où là Thomas Lombard va rejouer à l'intérieur pour Cliff Meaton qui voit Arthur Gomez à son extérieur. Passage de bras, il donne le ballon et c'est à nouveau. C'était le cinquième des Parisiens, le sixième maintenant, ballon gagné en touche. Voilà avec une nouvelle sautée pour Christophe Dominici qui passe ici à Franck Comba. Et lui redresse sa course, regarde Exter, Inter et finalement il y va tout seul. Et on fait un laissé palois de toute fin de match. Voilà, et laissé des palois après une superbe prise de balle en touche. Consolidation, on décale, on désaxe, et tout le monde pousse derrière pour aller jusque derrière la ligne de but. Voilà, mais dans le vestiaire palois où nos caméras viennent de rentrer, toute la détresse de Vignolo, de Mantière que vous avez aperçu dans la glace. Quand ça arrive, ce genre de défaite, Philippe, moralement, il doit falloir quand même s'en remettre. Ça ne doit pas être simple. Non, 49 points quand même. C'est vrai que c'est pas simple, c'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé. C'est vrai que ce qui va être dur, c'est le voyage retour surtout. Il va falloir aller jusqu'au prochain entraînement avec en essayant de relever la tête rapidement. Et c'est l'entraînement qui fera du bien. Bon, il y aura une analyse, il y aura un footing, de la récupération. On va se retrouver, ils vont se retrouver ensemble et à partir de là, ils vont repartir pour préparer le match suivant. Mais c'est vrai que pendant à peu près 24 heures, voire 48 heures, ça risque d'être un peu difficile. Rapidement, le programme de cette journée que vous suivez donc demain dans Jour de rugby, dans la poule 1, Biarritz-Toulouse ce soir 19h30 et Agen-Bourgoin ce soir également. Le Stade français a donc battu Pau 49-13. Colomiers-Narbonne demain après-midi. Dans la poule 3, Perpignan-Bègles ce soir. Castres-Dax ce soir également.
Grenoble-Brive, il neigeait hier sur Grenoble, mais le match aura lieu normalement. Et Montferrand-Toulon, pour savoir si les Toulonnais, après avoir battu Grenoble, gagné à Grenoble et battu Brive, sont capables de faire un résultat à Montferrand qui subit pas mal de blessures. Voilà, rendez-vous jour de rugby, 20h, Canal Plus Vert demain. Et puis 23h30 dans l'équipe du dimanche. Philippe, on se retrouve la semaine prochaine sur vos terres à Agen. Pour Agen, Stade Toulousain, les caméras ici à Jean Bouin. Et la réalisation en signé François-Charles Bidot avec les moyens techniques de la SFP. Tout de suite, place au basket NBA. Samedi prochain, Agen-Toulouse. Et demain, jour de rugby. On vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir, bon week-end.